Salut, salut! Salut, salut! Salut, salut tout le monde! Bonsoir, j'attends un peu que ça arrive. Salut, Bibrick! Qu'est-ce que... Salut Pierre de Bordeaux. Comment ça va à Bordeaux? J'attends un peu qu'il y ait un peu plus de monde. Un petit live comme ça, j'ai un peu m'échauffé, j'ai pas touché la grappe de la journée. C'est pas bien, je sais. Il faudrait que... Mais j'ai pas eu le temps, hein, faut dire. Donc, je mets sur la page. Je fais un test. Bonsoir. Soir. Voilà, ça c'est moi. Après, alors je tiens à ce, parce que bon, je me renseigne pour faire vraiment du live de façon professionnelle. Donc je suis en train de voir déjà pour faire ça de mon bureau, parce que bon, je vais raconter ma vie. Ah ben c'est bien les arpèges manouches, c'est bien. Donc je vais essayer de professionnaliser un peu plus le live avec un micro, avec la guitare, le son un peu mieux aussi. Attendez, je cadre le truc parce que c'est vraiment... Je suis en mode MacGyver, hein, les gars. Voilà, c'est vraiment du live. Je fais des tests si vous voulez. Parce que j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps de... Voilà, je mets le lien vers ma nouvelle formation. Hein, je vais faire de la pub quand même. Voilà, ça c'est mon business. Voilà, ça marche. Ça marche, ça marche. Voilà, hop. Je vais pas faire trop de live ce soir parce que bon, j'ai du boulot encore qui m'attend à faire pour demain et je ne l'ai pas fait. Alors, comment je m'échauffe? Ça pourrait être intéressant de partir là-dessus. Ben, j'ai pas vraiment, en fait, je crois que... Je vais être franc avec vous, je ne me suis pas échauffé depuis des années en fait. Je m'échauffe jamais. Voilà. Donc j'ai pas l'impression que ça. Je pense que j'ai tellement pratiqué dans ma vie que j'ai plus besoin d'être échauffé. C'est. Je dis pas que. Attention, hein, je dis pas que c'est quelque chose de bien ou pas, mais j'ai vraiment. Ça fait pas grand-chose que je sois échauffé ou pas. Là, j'ai vraiment le son brut. Voilà, ce qui est bien pour pratiquer, comme je vous le dis. Moi, je préfère pratiquer avec le son brut, sans reverb, sans rien, sans disto. Bon, la disto, je la garde pour quand j'improvise, hein, on va dire. Voilà, j'espère que vous allez bien par ce confinement. Donc, après la fin, je sais pas. Bon, après, je veux pas spoiler ou dire des. Mais bon, ça m'étonnerait que. Enfin, bon, bref. Je vais pas rentrer là-dedans. Moi, je n'ai pas d'avis. Je suis pas du tout un spécialiste. Je fais comme vous. Je me fie à ce que disent les autorités. Mais a priori, le déconfinement total, c'est pas pour demain. Hein. Il faut pas se voiler la face à nous. Alors, pour ceux qui savent pas, je vis en Espagne. Donc, à Valencia. Donc Valencia, ça se trouve, je sais pas si vous voyez où ça se trouve en face Ibiza, si vous voulez. Voilà, je sais, là, bon, c'est inversé, mais voilà, donc c'est en face Ibiza sur la côte, donc en face les Baléares, si vous voulez. Pierre, toi, tu es étudiant?
T'es en cours? T'as quel âge? Non, non, nous en Espagne, ils reprennent pas l'école, les enfants, par exemple. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de... Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à l'échauffement? Ben... Ah, t'as un stit? Ah, ok, d'accord. Ouais, donc, ouais. Donc, nous, en Espagne, je te le dis, nous, ils parlent même pas de reprendre l'école du tout. Hein, donc, l'école, nous, c'est un petit peu différent au niveau... ouais. Nous, c'est un peu différent, l'école. Ils ont pas, ils ont beaucoup, on a beaucoup moins de vacances qu'en France. On n'a que les vacances à Noël et à Pâques, en fait, c'est tout. Hein. Et on... Mais par contre, je pense qu'il y a moins d'heures de cours dans une semaine. Quoi, ça dépend des... ça dépend de pareil, ça dépend des écoles et puis des provinces, des provincias. Parce qu'en fait, nous, c'est divisé en provinces, donc chaque province a une deuxième langue. Donc nous, c'est le valencien, après, tu as le catalan. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc bon, bah là, il commence à y avoir un peu de monde. Donc, c'est juste pour vous annoncer que bah, je sortais une nouvelle formation aujourd'hui. Donc il commence à y en avoir sur le site. Donc je rappelle pour ceux qui sont abonnés, si vous voyez la vidéo plus tard. Non, moi j'ai enfin, moi j'ai pas entendu parler de ça encore. Franchement, je vais être franc avec vous. On m'en a parlé, il y a tout le monde me dit ouais, le revenu universel, machin truc. Moi, j'ai pas entendu parler de ça. Et puis, de toute façon, moi, je suis un étranger, hein, même si je suis résident. Salut, Dimitri. Voilà, donc, même si je suis résident, pour l'instant, le revenu universel, voilà. Hein, et puis, de toute façon, honnêtement, je vais être franc avec vous, je m'en tape, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner mon argent aussi, quoi. Hein, voilà. Donc, vous n'avez pas un peu des questions? Je m'étais dit bon, de vous parler de la formation, donc, mais bon, voilà, on va partir. Je peux vous dire, par exemple, ça peut être intéressant parce que j'ai fait une vidéo, vous avez vu, j'ai fait des vidéos pour Roux et pour Ben aussi de Powercord, d'accord? Donc, je les remercie. Voilà, donc en fait, peut-être on peut parler un peu pratique, on peut parler un peu guitare ou... Je vais un peu travailler puisque je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Jeff Lee Johnson, non, je connais pas. Non, je connais pas ce guitariste. Ouais, c'était cool de faire ça, les collabs. Du coup, ça m'a motivé un peu pour... Ça m'a un petit peu motivé pour refaire, ouais, voilà, pour reprendre un peu les vidéos et tout ça. Bon, c'est vrai que le live, c'est plus pratique. D'ailleurs, je vais pas rester là. J'ai fait un live la dernière fois, 3 heures de live. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a plein de gens. J'ai plein de commentaires, si vous voulez. Je peux m'expliquer vis-à-vis des commentaires assez... Salut Nico. Nico. On a une vedette, les gars, avec nous. L'ambassadeur de Slash français, quoi, qui joue comme Slash. Même Slash a reconnu comme étant son propre ambassadeur. Nico, j'espère que tu vas bien. Ouais, je me suis inspiré de mec, ouais, de ce que j'ai appris via Aldi Meola, via Paul Gilbert, forcément, même si c'est pas mon style, via même Pat Metheny et compagnie, via Malmsteen, même s'il fait pas de l'alterné, on est d'accord, Malmsteen joue en sweeping, en speed picking. Voilà, mais je me suis inspiré de ça pour travailler les mouvements, pour vous expliquer tout ça. Etc. Donc voilà. Là où je peux dire, par contre, bon, bref, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse. À la rigueur, je suis pas un vendeur. Il faut que je fasse de la promo pour mon site, mais limite, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je suis un passionné. Et simplement, vite fait, comme on est au début du live, pour répondre à plein de commentaires négatifs que j'ai en ce moment sur la chaîne vis-à-vis de ma pédagogie, et des trucs pas négatifs dans le sens où, bon, ben, y a toujours des trolls, des connards. En fait, c'est vrai que je parle vite. Je sais, je suis un peu excité. Vous l'avez compris. Je suis un peu enthousiaste. Et honnêtement, voilà, j'ai envie de dire, je peux pas faire autrement. Il y en a certains qui prennent ça pour de la démonstration. Et c'est pas le but. Je m'en fous de faire de la démonstration. Ouais, voilà, donc voilà, bon, je tiens, bon, je vais essayer de lire en même temps, c'est compliqué après, il y a beaucoup de questions. C'est vrai que certains me reprochent de parler vite dans les vidéos. C'est vrai que je vais pas vous mentir.
En fait, j'ai énormément d'activités grâce à mon truc YouTube et grâce à tout ce que ça m'a apporté. J'en fais même trop, limite, des fois, voilà, j'en fais même trop. Et c'est vrai que, par exemple, quand les dernières vidéos du vlog que j'ai fait, c'est vrai que je parle vite parce qu'en fait, il faut que je fasse vite la vidéo, vite que je la monte, vite que je l'upload et que je passe à autre chose parce que j'ai trop de choses à faire. Voilà, en gros, c'est ça. Même là, le live, je le fais. Voilà, je le fais avec le matos que j'ai, voilà, pour le. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, on peut ralentir la vidéo. Et encore une fois, il y a plein de gens qui disent que je me la pète et tout, bon, tu sais, je m'en fous en fait, hein, je veux dire, je vais pas me forcer à pas jouer comme j'ai envie de jouer parce que y a des gars qui vont dire que je me la pète. Mais c'est pas de la démonstration, c'est parce que je le sens comme ça. Et que c'est ma façon de. Voilà, je pense que je suis vrai en fait, dans ma façon d'être. Et peut-être que ça peut être assimilé à de la prétention ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, voilà. Alors pour ce qui est de la formation, donc la formation est divisée, je vous fais vite fait le speech. La formation est divisée en 5, 6, en 6 chapitres. Donc en fait, le chapitre 1, comme vous le verrez, d'ailleurs, regardez, je vous remets un coup de lien vers le teaser, vous mettez ça, vous partagez avec votre grand-mère, ok? Il faudra bien lui expliquer qu'il faut se créer un compte et après choisir son abonnement sur la gauche, ok? Le truc, c'est que voilà, j'ai divisé la formation en 6 parties, en 6 chapitres, dans ce qui me semblait essentiel par rapport à cette technique, sachant que bien que je parle de l'art rapidement, la seule chose à faire pour maîtriser l'aller-retour. Alors, je m'explique. Je m'explique après. Chapitre numéro 1, donc c'est les bases fondamentales par rapport au mouvement, je décris un peu tout ce qui se passe au niveau du physique, du digital, d'accord? L'équilibre entre les deux mains, de la tenue du médiator, tout ça, avec des exercices simples, mais qu'il m'arrive de travailler à moi aussi, que je fais même travailler à des élèves sur Skype qui ont déjà un bon niveau. Hein, il faut quand même. Sur Skype, j'ai quand même des gars qui ont un bon niveau. Hein. Que je retravaille moi aussi parce que c'est pas parce que j'aime la virtuosité et tout que je travaille pas lentement. Ça, c'est ma méthode. Encore une fois, j'ai déjà vu des vidéos de gars que je trouve de pédagogues absolument géniaux qui vont dire que bon, travailler lentement et tout, ça peut, c'est pas forcément toujours utile. Moi, c'est ma politique, ça marche pour moi dans la propreté, dans beaucoup de choses. Non, je ne suis pas le prix. C'est parce qu'en fait, pour moi, ça vaut ça, quoi. Je veux dire, c'est. Il y a 2 ans, en plus, ça n'était pas. Alors, putain, je vais vous dire ça maintenant. Pourquoi je ne fais pas les formations à vie? Elles sont accessibles. En fait, les formations sont accessibles pour vie. Le terme à vie, d'un point de vue juridique, c'est très, très. Voilà, c'est très controversé, d'accord? Si moi, par exemple, je meurs l'an prochain, le site meurt aussi. Donc, vous n'aurez pas accès à vie à la formation. Je vais pas. Hein, je ne vais pas faire ça. Enfin, vous comprenez, si c'est pour vous mettre dans des conditions d'utilisation, attention, par contre, il y a ci, à ça, machin, comme on vous fait de partout, non. Voilà, donc en fait, c'est 2 ans. En 2 ans, vous avez largement le temps d'assimiler ce qu'il y a dans la formation, ok? Et voilà. Après, 29 euros, c'est simplement parce que je ne veux pas faire toutes des formations trop longues. 7 heures, c'est pas beaucoup de formation quand même. Hein. Je parle quand même beaucoup et je pratique. Donc avec vous, c'est fait pour que vous pratiquiez en même temps que les vidéos. Pareil que sur YouTube, vous pouvez les ralentir et compagnie. Donc ça c'est assez cool. Donc après, je continue pour en revenir à la formation, je continue sur la formation. Donc en chapitre 2, on a. Donc un truc sur les gammes pentatoniques, etc., sur le 2 notes par corde, parce que je trouve que le 2 notes par corde, c'est vraiment très chiant, d'accord, pour l'aller-retour, pour aller vite, etc. Donc on voit tout ça avec un rappel sur les gammes pentatoniques. Chapitre 3, c'est rappel sur les gammes majeures. Ah non, c'est repère rythmique, donc comment bien vous développer rythmiquement avec le médiator, hein, pour que ça vous serve d'un point de vue rythmique aussi, parce que, bon, je reviendrai à l'intérêt de jouer en aller-retour, même si. Par exemple, je ne suis pas un exemple du gars qui joue en aller-retour par excellence. Je me sers de l'aller-retour, effectivement, mais je joue beaucoup en sweeping, en legato, et j'utilise même des techniques un petit peu hybrides entre le legato et l'aller-retour. Enfin bon, bref, ce n'est pas le sujet, mais voilà. L'aller-retour, c'est quand même une technique essentielle à maîtriser. Quand vous n'êtes pas Stevie Ray Vaughan, quand vous n'êtes pas Django Reinhardt, et que ces mecs-là, comme je le dis, ces mecs-là ont appris la musique
de façon musicale, c'est-à-dire de façon orale. Tiens, ouais, tiens, fais ce plan, vas-y, fais comme ça. Ah ouais, le mec l'a répété pendant une vie à sa façon, donc on n'est pas dans ce cas-là. D'accord? Aussi. Ouais, voilà, Paul Gilbert, forcément. Ben, Paul Gilbert, si lui mélange pas, tu sais, rares sont ceux qui mélangent pas. Hein. Bon, bref. Après, en 4, on a des exercices beaucoup plus. Voilà, Guitar Hero, rapidité, Paul Gilbert, Petrucci. Dans ce cas-là, encore une fois, j'ai pas pompé tous les exercices, mais bon, on peut pas réinventer la roue non plus. Avec un rappel sur les gammes pour que vous jouiez les bons doigtés, etc. Parce que pareil, je vois plein de trucs en élève où. Voilà, sur les doigtés sont souvent pas bons, donc il y a un gros rappel là-dessus. En chapitre 4, on a des exercices un peu plus difficiles avec une note par corde et tout, parce que c'est là que ça devient pénible, une note par corde. Et après, on a le chapitre avec des sauts de corde, voilà. Et voilà, la formation est comme ça. Alors, maintenant, l'intérêt de. Même si vous êtes des gars qui fait les gâteaux, etc., qui fait le sweeping, je pense que l'aller-retour, c'est quand même important de le maîtriser. Ne serait-ce que déjà par rapport à des valeurs et des repères rythmiques. D'accord? La plupart d'entre vous, par exemple, je vois, j'ai des élèves sur Skype, bon, je vous dis bonjour les gars, il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit, c'est pas du tout dénigré ou quoi que ce soit. Des fois, je vois déjà des gens qui ont un super niveau, qui jouent depuis très longtemps, qui ont un sacré niveau en impro et tout, même, qui font des trucs vraiment bien, mais qui à un moment donné sont. Si vous voulez, sont limités parce que techniquement ça suit pas. Si vous voulez, c'est fouillis ici. Donc en fait, comme ils n'ont pas d'habitude, ils n'ont pas de méthode par rapport à leur main droite, etc. Des fois, les phrases, ben, elles flottent, c'est pas précis, etc. Je parle notamment dans des phrases un peu plus, voilà, un peu plus rapides ou un petit peu plus complexes, on va dire. Voilà. Si après vous faites du blues et tout, encore une fois, tiens, je prends l'exemple de Nico par exemple. Nico qui joue tous les morceaux de Slash, et Slash d'ailleurs, puisque Nico joue, enfin il ne faut pas se voir la face, il joue comme Slash quoi. Donc le truc c'est que la main droite, elle est. Les gars ont appris avec un langage qui va avec, si tu veux. Donc en fait, les mecs se disent pas, tiens, je vais faire de l'aller-retour strict, etc. Ça va avec leur. Ça va avec leur langage musical, hein, d'accord? Encore une fois, encore une fois, c'est pas exhaustif comme truc. C'est pas parce qu'on fait de l'aller-retour qu'on est bon, ou qu'on fait pas d'aller-retour qu'on n'est pas bon, qu'on s'en sort pas. Mais il y a des gens qui ne s'en sortent pas parce qu'il n'y a pas de méthode dans leur mouvement, et qu'en fait, en vérité, le temps que. Comme ils ne sont pas habitués à avoir comment dirais-je, une rigueur, en fait, ils pourraient avoir de très bonnes idées musicales, mais techniquement, ça coince, et du coup, la phrase, elle chie. Au lieu d'être super bonnarde, et bien en fait, elle lose, ou ça, ou y a un truc qui ne va pas, quoi. Voilà. Donc voilà, pour l'aller-retour. Après, encore une fois, c'est tout des trucs, sans parler d'aller-retour pur, mais la technique médiator, c'est pas juste jouer vite, jouer. Mais c'est aussi l'attaque, le son qui va venir de là. Quel son vous voulez? Est-ce que vous voulez un son. Ce qui peut être intéressant, ou. Voilà. Ce qui peut être intéressant. Le but après, c'est de tout mélanger, etc. Mais voilà, la tenue du médiator. Le fait de trouver la position, aussi bien à main droite que main gauche, hein, je parle, hein, la position qui vous convient à vous, selon votre morphologie et tout, donc j'explique un peu tout ça, voilà. Parce que des fois, je vois des trucs, par exemple, sur YouTube, des mecs qui ont quand même un bon niveau, mais leur position, leur corps souffre, en fait, on voit dans leur position que le corps souffre si vous voulez, j'en vois des fois, et qui ont un jeu intéressant, mais. Les mecs, ils sont limite comme ça, enfin, c'est hallucinant. Donc là, pareil, il faut trouver en fait la position qui vous convient vis-à-vis de votre morphologie. Et encore une fois, je vais parler de ça pour pas donner trop de, pour pas trop spoiler ma formation. Mais par exemple, quand vous jouez avec la main gauche, il y en a qui vont jouer comme ça parce qu'en fait, ça permet de bender. Si vous voulez, vous avez un crochet en haut qui vous permet d'avoir plus de force dans le bend. Et ça dépend. Par exemple, moi, je le fais un peu, mais ça dépend. Voilà, parce que moi, je joue beaucoup avec les extensions, etc. Les gâteaux, donc le derrière. Mais encore une fois, il y a des gens que je connais, qui, notamment un de mes mentors, vraiment, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui joue avec le pouce comme ça, et ça fonctionne pour lui.
voilà, mais là, les retours, oui. Là, par contre, la formation, elle est vachement axée sur plutôt le single note. Hein, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. De toute façon, c'est pas ça, c'est que la rythmique, en fait, je l'ai déjà faite, la formation sur la rythmique funk. Donc, voilà. Voilà, tout le monde est différent. Et encore une fois, il n'y a pas une position, si vous voulez, qui est universelle. On peut pas imposer à dire à un mec, parce qu'il a une morphologie différente, attends, toi, tu joueras pas comme ça. Regardez Marty Friedman qui joue la main droite comme ça. Il y en a qui jouent comme ça. Il y en a qui jouent comme ça. Hein, il y en a qui jouent comme ça. Tout dépend comment on est fait. Et puis, on n'a pas tous la même force. Et vous voyez ce que je veux dire, la même force naturelle, c'est-à-dire quand vous tenez votre médiator, voilà, Steve Morse aussi. Mais bon, Steve Morse, j'ai eu ma petite période, mais je suis pas un super grand fan non plus de. Voilà, bon, ouais, ça c'est. Après, il y en a qui s'appuient, il y en a qui s'appuient pas, mais bon, ça c'est. Donc, ça c'est encore. C'est vachement subjectif, quoi. Donc, voilà, quoi. Ouais, les rythmiques, ouais, bien sûr, à des mots-là. Puis surtout, il y a aussi les compos, quoi, hein, sans parler des rythmiques et des solos, mais les compos, voilà. Mais bon, après, voilà, moi, je suis pas un grand fan de ces mecs-là, de Aldi Meola, tout ça. Voilà, c'est pas mon grand kiff, hein, de toute façon, voilà. Moi, on va dire que, par exemple, quand je vais écouter un aller-retour, par exemple, là, en aller-retour, qui va me plaire, c'est, par exemple, Metni, quoi. J'en reviens souvent à Metni. Même si je suis pas, voilà, je suis pas un grand fan non plus de Metni, mais si je suis fan, mais je veux dire c'est pas mon grand favori, c'est pas mon voilà. Metni, y a tout au niveau technique, au niveau mélodique. Moi, je prends souvent. Je vous invite à, par exemple, pour moi, le solo parfait. Voilà, pour moi, le solo parfait, vous irez écouter, c'est Something to Remind You. Non, ouais, Something to Remind You dans l'album We Live Here. D'accord. Là, quand je vous dis, allez écouter cet album, We Live Here. Donc, Something to Remind You, je crois que c'est la 7 ou la 5, je ne sais plus. Et vous écouterez le solo. Ouais, Paco de Lucia, oui, mais il ne joue pas en aller-retour. Il joue en buté, en version flamenco. Donc, c'est encore complètement différent. Et d'écouter Something to Remind You, et le solo, pour moi, c'est ça. Un solo improvisé réussi, c'est ça. Le mec, il parle avec la gratte, quoi. J'en ai des frissons. Regardez, j'en ai des frissons de vous en parler. Le mec parle avec la guitare, quoi, clairement. Et c'est là que je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que il n'y a pas que la technique. C'est que le mec a un son parfait, parce qu'il a l'attaque parfaite, il a un équilibre entre les mains parfait, et que. Voilà, il a bossé de façon, on va dire, j'ai même pas envie de dire scolaire, parce que c'est pas scolaire forcément, enfin, le fait d'essayer de faire les choses bien, parce que j'aime pas ce terme scolaire, parce que je trouve qu'il est en fait, il peut sonner péjoratif d'un point de vue musical, ce que certains appelleraient le feeling, etc. Non, moi je trouve pas que le fait d'être scolaire soit forcément négatif, mais en tout cas pour moi ça veut dire essayer de faire bien les choses, parce que si à un moment donné, tu te sens que tu progresses pas, que tu n'es pas Stevie Ray Vaughan ou un mec comme ça, un génie, c'est-à-dire un Django Reinhardt, des mecs, je parle de mecs singuliers, un B.B. King, un Freddie, un Albert King, un Django Reinhardt ou quoi, à un moment donné, il faut que tu cherches ailleurs, quoi. Donc, voilà, donc il faut que tu essayes de faire les choses bien. Encore une fois, quand on voit la main, par exemple, Stevie Ray Vaughan, je prends l'exemple de ce mec qui fait pas du tout d'aller-retour, qui en a rien à cirer de savoir ce qu'il va faire, un coup vers le bas ou un coup vers le haut. Lui, ce qu'il va faire, c'est il va chercher à faire le son. Quand vous voyez qu'il slap comme ça ses notes d'en dessous, qui fait vraiment, il cherche le son. Il n'est pas du tout dans, il en a rien à foutre de la technique. Et j'ai envie de vous dire, même vous devez n'en avoir rien à foutre quand vous jouez. Mais quand vous pratiquez, il faut essayer d'avoir, c'est ce que je disais dans la vidéo de Ben, c'est à un moment donné, si tu as envie de progresser et que tu ne progresses pas, il faut trouver des moyens de progresser. Donc en fait, si tu as une heure pour faire de la guitare, joue 40 minutes ou 50 minutes et prends 10 minutes pour te focaliser sur un truc, même s'il faut faire juste une note, quoi. D'accord?
d'accord? Et cherche ton son. Quand est-ce que l'équilibre entre les deux mains est parfait? Est-ce que tu appuies pas trop fort là alors que tu appuies. Est-ce que tu appuies pas assez fort ici alors que tu appuies trop fort là? Du coup, en fait, ça bousille tout ton. Ça fait de la merde. Par contre, si tu appuies pas fort ici et que tu appuies pas fort là, ça sonne. Par contre, si jamais j'appuie pas fort là et que j'appuie trop fort ici, ça sonne pas. Donc tout ça, c'est un équilibre. C'est le yin et le yang, en fait, entre les deux mains. Enfin. C'est selon moi, encore une fois, et j'invente rien du tout. Moi, je ne fais que distiller ce que j'ai appris dans mes bouquins, en regardant jouer des mecs, en écoutant des interviews, en lisant des interviews, etc. Donc, même le fait de prendre 10 minutes et de faire... Quel son tu veux ? C'est ça le truc. Quel son t'as envie d'entendre quand tu joues de la guitare ? Est-ce que t'as envie d'entendre ça ? Ou est-ce que tu as envie d'entendre ça? Et là je mens pas, il n'y a pas de disto, il n'y a pas de delay, il n'y a pas de truc de fou, c'est la guitare. Ben, en fait, les Coltrane Change, c'est simplement, c'est pas le sujet de la vidéo, je suis désolé de te dire ça, parce qu'après sinon ça part en live, et en fait il y a trop de trucs dans le feed et j'arrive pas à répondre à des questions et à avoir un peu d'interaction. Simplement, les Coltrane Change, c'est ni plus ni moins qu'en fait un enchaînement et un changement de tonalité en tierce majeure. En tierce majeure, ça divise l'octave en trois parties égales, d'accord? Admettons, je vais parler en Do pour que ce soit simple, d'accord? Do majeur 7, Mi majeur 7, Sol dièse majeur 7. Quand je fais ça, Do, Mi, Sol dièse, je reviens à Do et on a divisé l'octave en trois parties égales, ok? Et en fait, Coltrane, ce qu'il fait, je te fais pas les Coltrane Change, etc., mais c'est juste pour que tu comprennes, il va faire Do majeur 7, Mi, admettons, et Sol dièse, majeur 7. Ok, on est dans ces trois tonalités. Et il va mettre le cinquième degré de chaque pour faire le truc. Donc ça va faire Do majeur 7. Le cinquième degré de Mi majeur 7, ça va être Si 7, Mi majeur 7. Et après, le cinquième degré de Sol dièse, de majeur 7, ça va être Ré dièse 7. Et on revient à Sol majeur 7. Et après, on a... D'accord? Et donc, ça te fait... Si je fais une grille de merde avec ça, ça fait... Et je suis revenu au point de départ, ok? J'ai fait simplement 5-1, 5-1, 5-1 par tierce majeure. Voilà, c'est ça les Coltrane Change, le principe c'est ça. Ça c'est de celui de Giant Steps, et celui de Countdown, en fait, il part d'un 2-5-1 et il développe dans le même principe avec, des modulations par tierce majeure. C'est ni plus ni moins que ça, donc il n'y a rien à expliquer. Peut-être je ferai une vidéo sur le sujet, mais je vais être franc avec vous, j'ai la flemme de travailler. Giant Steps, j'ai pas le temps de toute façon, mais je le ferai, c'est sûr. Je l'avais travaillé forcément à l'époque, mais ces morceaux n'est pas chouette, n'est pas super beau à écouter, tu vois. C'est surtout pour faire, excuse-moi, je vais dire un truc con, mais c'est surtout pour faire le cake sur les réseaux sociaux et pour se servir de ça pour étudier. Mais encore une fois, bon, avant de transcender le Coltrane Change comme ça, improviser sur un blues ou même simplement sur So What en faisant des trucs qui tuent, je pense qu'on peut déjà commencer par là. C'est comme, je tiens à faire une parenthèse, je vois Delongue dans les commentaires, parce que c'est mon avis. Ouais, j'ai envie de sortir de la penta, qu'est-ce que je peux faire et tout. Non, il ne faut pas sortir de la penta. Déjà, premièrement, c'est la base de notre musique pratiquement occidentale et guitaristique, qu'on fasse du jazz, du blues. Si on fait du blues, tu sors de la penta, tu peux rajouter des trucs, mais il faut que tu restes dans la penta de toute façon. Si tu fais du jazz, bon, bah, il faut que tu restes dans la penta. Si jamais tu fais de la pop, du rock, si tu restes pas dans la penta, t'es foutu. Et après, sinon, tu peux faire... c'est que tu fais du rock progressif ou du metal symphonique, des trucs comme ça, un peu spéciaux. Mais encore, quand tu écoutes Symphony X, Michael Romeo, le mec utilise la penta. Donc, je trouve ça un peu snob en se disant « Ouais, moi, je veux sortir de la penta, tu comprends, je comprends tout, la penta, c'est fini pour moi, je passe à autre chose, quoi. » Non. Et non, parce que si jamais tu sais pas te servir de la penta à 100%, ouais. Non, mais c'est pas vraiment de l'aller-retour, mais encore, voilà, c'est encore un truc hybride. Si tu veux, il y a des mecs qui s'imaginent que c'est parce qu'ils vont connaître le Miller mélodique et tout que forcément ça va passer partout. Non, encore une fois, c'est hyper spécifique. Et je vous conseille, même si vous connaissez, même si vous avez envie de bosser le Miller mélodique et tout, de continuer toujours à travailler la penta parce qu'il faut trouver des façons de la jouer différemment, il faut l'utiliser. Il faut la transcender, quoi, la penta, hein, d'accord. Même si vous jouez des trucs basiques, voilà.
Ouais, mais voilà. Et puis, encore une fois, je l'ai fait la démonstration sur le dernier live. La penta, tu peux la jouer de mille façons différentes. Parce qu'il y a des mecs, en fait, pour eux, sortir de la penta, c'est sortir de ça. Mais la penta, on peut la jouer en penta extendue. Donc, ça, c'est un truc qui va sortir en formation bientôt. J'ai écrit la formation papier, il faut que je la filme. Mais la prochaine, ce sera le jazz pour les débutants. Mais voilà, il y a plein de façons. Et puis surtout, quand vous changez le doigt. Là, j'ai joué les notes de la pentatonique, mais je vais jouer de différentes façons. Et quand on utilise ce doigté-là, le doigté influe directement, le doigté que vous utilisez quand vous jouez un truc, puisqu'à la guitare, je vous le rappelle, je vais faire la démonstration. Voilà, c'est ça la penta. Salut Anto, ouais. La penta, c'est, oui, ça sert de repère en plus pour tout le reste, d'accord? Mais, encore une fois, à la guitare, vous savez que ce qui fait la magie de notre instrument, c'est que ça. Et je pourrais trouver des doigtés différents. Là, on joue la même hauteur de son, on joue les mêmes notes avec. Mais oui, voilà, c'est ça, mélanger penta majeur, mineur, etc. Après, ça se prête pas toujours, hein. Attention, parenthèse aussi là-dessus, parce que j'ai eu une question d'une personne tout à l'heure sur. Putain, j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, c'est vraiment scandaleux, mais c'est vrai que j'ai pas le temps, je vous jure. On peut mélanger sur un accord majeur, on peut mélanger la penta majeure et la penta mineure. D'accord, ça fait le son du blues. Hein, je ne vais pas venir sur le truc de la blue note et compagnie, puisqu'en fait, la blue note, c'est la tierce mineure de la penta majeure et non pas la quinte bémol de la penta mineure. Ça aussi, je tiens encore une fois à le préciser. D'accord ? La blue note, c'est la tierce mineure de la penta majeure. Putain, pardon. Et c'est pas la quinte bémol de la penta mineure. Il faut penser comme ça en relatif. D'accord ? Ça vient parce que. La note était au milieu des deux sur un instrument traditionnel africain, d'accord? Donc voilà, ça aussi, pensez-le comme ça. Tout ça pour dire que sur un accord mineur, vous ne pouvez pas mélanger la penta mineure et la penta majeure. Sur un accord mineur, ce sera penta mineure. D'accord? Il faudra rester quand même dans une couleur mineure. Ça marche que à l'inverse, le majeur du mineur sur du majeur, quoi. De la penta. Quand vous jouez votre penta, vous faites cette note-là, là, qui est entre les deux, en fait, qui est entre le demi-ton. Parce que ça s'apparente aussi un peu à la voix et compagnie, voilà. Donc, toujours, voilà, toujours pour pas, je veux pas m'éparpiller, donc, qu'est-ce qu'on disait pour, voilà. Ce qui va compter, c'est, encore une fois, c'est la façon de faire les choses. Alors, pour en venir à cette formation, que, voilà, vous allez voir le teaser. Regardez, je vous mets encore un coup, pour les nouveaux arrivés, hop là. Mais bientôt j'aurai un matériel professionnel, il y aura plein de trucs, vous pourrez même faire des dons en live, pour ceux qui veulent. Ouais, voilà, il faut se. Ben, ouais, voilà, et puis après, il faut en trouver l'utilité vis-à-vis de ce qu'on fait, quoi, clairement. Après, le but, c'est toujours pareil, c'est de trouver des façons de faire de la musique, et puis de. Encore une fois, je vais essayer de bonnard quand même d'essayer de faire son propre truc. Non, mais j'ai prévu de m'y mettre et tout. Et alors, je raconte ma life, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est trouver le logiciel qu'il faut pour ceux qui connaissent. Et vous pouvez répondre dans les commentaires après si vous voyez la rediffusion du live, parce que je vais pas tarder à arrêter, les gars, parce que je veux pas que le live dure 3 heures. Là, et ça fait 34 minutes qu'on est déjà en live. Ce que j'aimerais, c'est avoir un programme et streamer en même temps sur toutes les plateformes. Avec tous les plugs qui vont avec pour mettre des trucs en bas, pour que je puisse vous partager l'écran avec une tablature par exemple. Après, ouais, le drame du guitariste d'apprendre les schémas mais pas les notes, moi je pense qu'il faut apprendre les deux. Il faut se servir en fait de ce qui est notre instrument aussi. Voilà, par exemple. Ouais, mais après, moi, ça, je me suis familiarisé. Puis après, quand tu donnes des cours, tu répètes tellement les choses et compagnie que. Mais je m'en sers des schémas aussi. Voilà, je m'en sers dans ma tête. Hein, même si je connais le nom des notes et tout, je m'en sers. Après, le fait est que t'as pas besoin de connaître les notes pour évolutionner la musique. Hein, je pense pas. Hein, d'accord. Voilà. Oh, salut Laurent.
Bonjour, bonjour. T'as pas besoin de connaître les notes. Il y a des mecs qui jouent divinement bien, qui, je suis sûr, connaissent pas le nom des notes. Hein. On est d'accord sur le manche. Hein. On va pas tous les mecs qui font du jazz manouche, mais bon, qui sont. Après, je suis pas un spécialiste du jazz manouche, mais il y a plein de gars qui connaissent pas bien le nom des notes et tout. Je pense que ça peut aider, surtout pour comprendre en fait les différents intervalles et les différentes sonorités. Mais le schéma aussi aide vachement. Je pense pas qu'il faille se dire. C'est comme l'aller-retour. Hein. Là, c'est la formation aller-retour. C'est la vidéo de la formation aller-retour. Je pense pas qu'il faille se dire. Ah non, moi je fais que de l'aller-retour. Je fais pas du tout de legato, de speed picking. Ah non, moi je fais que du legato. Je fais pas du tout d'aller-retour. Je fais pas du tout de speed picking, etc. Non, il faut que. C'est un peu comme si tu avais une trousse à outils et que tu te disais. Ah ben non, moi j'utilise que le marteau. Voilà, c'est j'utilise pas les tournevis. Ah oui, moi par contre j'utilise que les pinces, mais par contre ben, quand je plante un clou, j'utilise ma pince aussi. Non, tu vois, il y a un moment donné, je pense qu'il faut pas se mettre de barrière de psychologique aussi en se disant mais non, fonctionner par schéma c'est pas bon. Non, fonctionner par schéma, apprendre le nom des notes, fonctionner par accord. Moi par exemple dans ma tête, je fonctionne que par accord quoi. Moi je vois des positions quand j'improvise, je vois des positions d'accord. Tu vois, je vais pas sur ré mineur. Voilà, dans ma tête, par exemple, j'ai fait un. Oui, voilà, la relation entre les notes, c'est obligatoire. Donc, schéma, apprendre aussi la valeur dans tes schémas, à l'intérieur de tes schémas, ce que je trouve super utile et même presque primordial au bout d'un certain temps, c'est d'apprendre la valeur des notes à l'intérieur même de tes schémas. Connaître le nom de tes notes, ben ça, à un moment donné, moi, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Et puis tout mélanger, quoi. Voilà, mélanger, pas se dire ah non, mais moi je joue pas au doigt, ah non, moi je joue pas en habit picking, attends, putain, les gars, ça va vite. Voilà, soit comment il fait dans sa tête, si tu veux bien m'expliquer. Scott Anderson, déjà, Scott Anderson, c'est un mec qui vient du blues et qui connaît le langage et le vocabulaire blues comme de Stevie Ray Vaughan, hein, parce que je pense qu'il vient énormément de Stevie Ray Vaughan. Et en même temps, comme c'est un mec qui s'est retrouvé, je pense qu'il a étudié le jazz quand il était jeune. Je ne connais pas vraiment sa biographie, mais j'ai beaucoup écouté. Et puis j'ai beaucoup écouté chronologiquement parlant. Donc le gars, il est rentré chez Chick Corea dans l'Electric Band. Okay? Donc là, on était quand même dans un mix entre un mec qui a un peu délaissé le blues, mais qui est rentré dans une fusion un peu à la Alan Holdsworth, parce qu'il est vraiment très très. De toute façon, tous les mecs qui font de la fusion, c'est Alan Holdsworth, c'est leur dû à tous. Hein. Il fait l'unanimité, le mec. Hein. Donc, après, dans Tribal Tech, quand tu écoutes la chronologie des albums de Tribal Tech, il est passé par plusieurs couleurs, mais il avait toujours un peu cette couleur Alan Holdsworth, je pense. Et vers la fin de Tribal Tech, il s'est plus mis dans le. Il a plus rejoint son langage blues. Et quand tu écoutes par exemple Vital Tectones avec Victor Wooten, par exemple, c'est une boucherie! C'est une boucherie! Vital Tectones, écoutez les deux albums, donc Steve Smith à la drum, Victor Wooten à la basse et Scott Anderson à la batterie, à la guitare, pardon. Mais vous écoutez, les gars, écoutez la version de Dr. E. D'accord? Dr. E, donc c'est DC, je crois, ou DR, je ne sais plus. Et H2E, la version de Vital Tectones, Dr. E. D'accord? Voilà, c'est une boucherie, c'est une boucherie, et tu sens que les mecs ils tapent le bœuf en studio et c'est une tuerie. J'en ai des frissons, les gars. Regardez, j'en ai des frissons de vous en parler. C'est une tuerie. Voilà, vous allez écouter Vital Tectones, Dr. He, la version, c'est une boucherie. Voilà, rien que le solo de basse, déjà le mec il swing, c'est pas permis. Et après, quand l'autre il rentre et qu'il fait ses phrases blues, mais c'est apocalyptique, enfin, c'est sûr, hein, ça vendra pas des albums, hein, c'est loin de la musique que tu trouveras dans la musique, dans la télé-réalité. Ah, ça serait trop bon qu'il y ait la télé-réalité des mecs qui font du jazz rock. La pochette intergalactique, déjà Todd, merci Seb, et comment? Le jeu out, on me demande souvent ça, pourtant j'ai pas vraiment l'impression de jouer out. C'est quoi? Tu vois le truc? Non, en fait, il y a plusieurs façons. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on va partir dans les trucs existentiels. Je vais mettre ma montre. Existentiel guitaristique. En fait, il y a plusieurs degrés. Comme je le disais, vous allez voir ma vidéo sur le jeu out que j'avais fait à l'époque où j'avais commencé mon vlog. D'accord? Vous pouvez aller sur sur mon autre chaîne, hein, celle de Sébastien Zunino, vous allez voir dans les playlists, il y a 365
vidéo sur le jeu out, sur, pardon, pas sur le jeu out, mais sur la guitare, en fait, c'est plus ou moins mon travail, en fait, ce que j'ai travaillé pendant un an, en gros, hein, en trouvant des sujets, un peu en faisant le truc, d'ailleurs, complètement à l'arrache, hein, puisque rien n'était préparé, enfin, très peu de choses étaient préparées, finalement, et c'est ça qui est cool, je pense. C'est pour ça que je fais du live, parce que du coup c'est plus vrai, il y a un peu d'interaction, et puis voilà. En fait, tu as plusieurs façons de jouer out. Soit par exemple, tu vas faire ça avec des notes d'approche, basiquement. Alors pour certains, ça va sonner out, mais en vérité, non. Par exemple, tu as un ré mineur, tu vois. Là, tu vois, j'ai utilisé des notes d'approche. D'accord, là j'utilise des notes d'approche et chromatismes, donc bon, ben, pour certains, si tu fais ça sur du Oasis ou du rock, du Guns N' Roses, ça va pas le faire parce que c'est pas le langage de la musique, ça correspondra pas. Mais quand tu vas faire du jazz, il faudra que tu fasses ça plus ou moins, d'accord, ok. Après, ça c'est pas vraiment jouer out, c'est simplement articuler les notes d'une certaine manière, d'accord, avec le langage ben, des gars que tu as écoutés, que tu kiffes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup été influencé parce que certains qui m'ont en leçon Skype le savent. J'ai été vachement influencé par Charlie Parker, Lee Morgan, beaucoup. Voilà, Lee Morgan, je pense que Charlie Parker et Lee Morgan sont les deux gars qui ont plus marqué ma façon de jouer, en tout cas dans la façon de phraser ce genre de truc. Voilà, d'accord? Parce que c'est vraiment des trucs que j'ai beaucoup relevés. Après, j'ai beaucoup relevé Scofield, Sylvain Luc, et après plein d'autres, mais j'ai pas réussi à en tirer vraiment toutes les sens. Ce que je disais, je crois que je le disais dans la dernière fois. Donc, Lee Morgan, j'en ai beaucoup réutilisé des plans. Voilà, comme il dit JM, voilà, et moi je suis d'accord avec lui, c'est que jouer in, déjà, bien, c'est déjà pas dur, mais ça demande déjà. Quelque chose de faire des phrases même sans utiliser de notes d'approche, etc. etc. Déjà, c'est voilà, c'est énorme. Rien que déjà sur la penta, hein, on en revient. Voyez ce qu'il fait B.B. King. Voilà, personne ne joue comme B.B. King. Faut pas se voiler la face. Enfin, du moins, si. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu travailles dans le son, dans le vibrato, dans l'expressivité, tous ces trucs dans le son. Même dans où est-ce que vous attaquez, où est-ce que vous jouez. Voilà, sachant qu'on n'a pas tous, par exemple, moi j'ai des, bon, je vous le dis, hein, j'ai des doigts de gonzesse. J'ai galéré parce que bon, j'avais jamais fait vraiment de blues dans ma vie, pour choper des vibratos un peu sympatoches. Bon, j'ai galéré, encore, c'est pas le top. Voilà, tout ce qui est invisible, non, pas forcément. Ben, la blue note, en fait. La Blue Note, je ne suis pas un spécialiste de la musicologie. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un autre créateur qui s'appelle Modern Guitar. Il s'appelle Maxime ou Max, je ne sais pas. Il s'appelle Max, je ne me souviens plus exactement. Lui, il a un doctorat en musicologie. Il y a Boris aussi, vous savez, le musicologue. Donc Boris Lodana, il me semble, son nom de famille. Donc il a une chaîne aussi. Je vous invite à aller aussi rejoindre chez lui, qui sont sans doute des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi. Moi, de ce qui me semble. D'accord? Puisque je ne veux pas dire de bullshit non plus. Il s'avère que, en fait, la blue note, c'est la tierce mineure de la gamme pentatonique majeure. Donc, en fait, on va prendre notre gamme pentatonique majeure. Voilà. Donc, la gamme pentatonique majeure, c'est do, ré, mi, sol, la. Ok? Ok? Donc, on rajoute la tierce mineure, en fait, qu'on appelle la blue note. Okay. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme dans l'accord Hendrix. Si vous voulez, si on analyse l'accord Hendrix, j'ai dans le même accord, d'accord, c'est un Do 7 dièse 9 ici, j'ai en même temps, voilà, j'ai dans mon accord Hendrix, j'ai en même temps la tierce majeure, là ici le mi, et puis j'ai la tierce mineure ici qui est un mi bémol. En fait, on dit un ré dièse parce que c'est dièse 9. Et vous savez que dans une gamme, on n'a pas le droit d'avoir deux fois le même don de note. Enfin bon, bref, ça dépend des cas. Mais là, en tout cas, c'est dièse 9, c'est fa bémol 3, ok? Puisqu'on a une tierce majeure ici dans l'accord. Mais on a en même temps tierce majeure, tierce mineure. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est typiquement l'accord qui sonne blues. Donc en fait, dans cette gamme de do pentatonique majeur, on rajoute la tierce mineure. Alors,
culturellement parlant, je crois que ça vient du fait que vous avez un instrument avec des calebasses, donc c'est des fruits, comme un xylophone en Afrique, qui s'appelle le balafon. Et la tierce, en fait, elle est à cheval entre ces deux notes. Elle n'est pas vraiment. Elle est pas vraiment. Pardon, elle est en cheval entre ces deux notes, elle n'est pas vraiment présente. Et c'est pour ça que lorsqu'on joue blues, on aime bien faire. D'accord? Ni vraiment. Ni. Mais. D'accord? Voilà, c'est pour ça que cette petite imperfection fait que ça sonne blues et que sur un accord majeur. Voilà, c'est une ambiguïté de la tierce, exactement. Elle est entre les deux. Donc nous, comme on a un système tempéré avec des cases, eh ben on peut pas faire. Voilà. Voilà, mais bon, après j'ai eu la guerre, après moi je suis pas musicologue, hein, je vous dis simplement. Donc c'est ce qui fait un peu le son du blues, c'est le mélange des deux. Et puis il n'y a pas que dans le blues, enfin, bien que George Benson vienne du blues, mais par exemple si vous écoutez des solos de George Benson, le gars mélange les deux pentatoniques, majeur et mineur, souvent, quoi, très souvent, quoi. Ouais, c'est ça, moi je suis un musicophile plutôt qu'un musicologue. Ouais. Mais bon, après ça m'intéresse, mais malheureusement on peut pas tout. On peut pas tout non plus. Voilà, enfin, j'aurais voulu faire musicologie, etc. Mais. Ben, parce que en fait, si jamais tu prends ton relatif mineur, c'est pour ça qu'ils disent que c'est la quinte bémol. Quand tu es en do majeur pentatonique, ton relatif mineur c'est le la mineur ici. Et tu es d'accord avec moi, ta gamme pentatonique mineure c'est ça? D'accord? Et que là, en fait, ça correspond à la quinte bémol de la mineure. Mais en vérité, c'est pas comme ça. En fait, c'est que c'est la relative, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça, c'est pas la quinte bémol. Ok? Voilà donc pour ce petit interstice. Et pour revenir au jeu A, où après, tu as des centaines de façons de jouer A, quoi. Soit tu penses des accords qui n'existent pas, donc par exemple, tu es en ré mineur, et toi, tu penses à un autre accord qui est là, d'accord? Qui peut être. D'accord, tu penses comme si tu avais une cadence, un accord qui n'existe pas, alors que l'accord est statique, d'accord? Donc ça s'appelle la superimposition, ça c'est dans le traité d'harmonie chromatique. Enfin, en tout cas, il y a plein de gars qui le font, même avec les Coltrane Change, hein, le mec il va penser les Coltrane Change là-dessus. D'accord? Par exemple, là je l'ai fait en mineur, mais alors que lui il est en ré, vous voyez? De rien, Quentin, de rien. JM, je suppose que tu t'appelles Jean-Marc. Les deux, ça dépend. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup relevé de tout quand même. J'ai beaucoup, beaucoup relevé. C'est vrai que j'ai beaucoup relevé certaines personnes, en fait, comme bon, Bettini. Scofield, j'ai beaucoup beaucoup relevé de trucs. Sylvain Luc, j'ai beaucoup relevé, pas que des solos en album, mais des vidéos YouTube aussi. J'ai beaucoup relevé Lee Morgan. Par exemple, l'album Candy, à une époque, je l'avais relevé complet. J'ai beaucoup relevé Gilad Exelman aussi, son tout premier album. J'ai relevé du Coltrane un petit peu. J'ai relevé beaucoup de Miles Davis parce que c'est facile. Ouais, Scarlatti, bon, la Scarlatti, tu relèves pas, tu t'apprends les trucs et t'analyses ce qu'il fait pour pouvoir t'en resservir. Non, non, j'ai pas relevé. De cet album-là, j'avais relevé le solo de Isn't She Lovely. qui fait là, après où il slap comme ça. Après, bah, voilà, après je m'en souviens plus de tout. J'ai beaucoup relevé Lee Morgan, voilà, vraiment. Et Charlie Parker, Sonny Rollins, et voilà, Scofield. Ouais, je les ai gardés, mes relevés, ouais. Pour les accords représentatifs des modes, il n'y a pas vraiment. Je pense pas, si tu veux. Comment dirais-je? Alors, les relevés, je ne vais pas les vendre parce que je crois que je n'ai pas le droit. Par contre, j'avais pensé faire, par exemple, une analyse de style sur un relevé, une analyse complète, ça peut-être j'ai le droit de le faire, je ne sais pas.
Mais c'est toujours pareil, de vendre le travail d'un autre, c'est quand même. Voilà, c'est délicat, quoi. Voilà. Voilà, donc j'avais pensé à le faire à une époque, mais je pense, je sais pas si j'ai le droit de le faire. Donc voilà, acheter le guitare cookbook, c'est intéressant. Voilà. Mais en fait, si ta question, c'est qu'est-ce que, en fait, qu'un accord est. Qu'est-ce qui fait, en fait, je vais vous donner un truc, mon truc préféré pour travailler les modes, et même les modes peut-être que vous trouvez compliqués ou des trucs comme ça. C'est, tu prends une référence, parce qu'un mode, en fait, c'est une suite, c'est une gamme d'inter. D'accord? Tu as des gammes de couleurs, des gammes de produits, et tu as des gammes de musique avec, en fait, c'est un, si tu veux, comment dirais-je? C'est des intervalles, c'est des enchaînements d'intervalles. Donc les modes, d'accord? C'est des enchaînements d'intervalles, d'accord? Si jamais, par exemple, je vais vous mettre un peu de reverb parce que ça soit un peu plus sympatoche, quoi. Par exemple, j'ai ma référence, on va l'appeler X. On va pas dire que c'est mi, on s'en tape, d'accord? De savoir que c'est un mi ou de savoir que c'est n'importe quelle note. Nous, c'est la note X. C'est le point de référence du mode. Ok? Et là, là-dessus, je vais travailler, par exemple, je vais me dire, je vais écouter. Ce que fait, c'est ce que je dis dans une vidéo, d'ailleurs c'est le vidéo de cette chaîne-là qui fait le plus de vues, c'est le fait, comprendre les modes en 10 minutes, c'est. On va parler, je vais travailler sur X ionien. Donc je cherche X. Et là je fais la seconde. Et j'écoute ce que donnent les intervalles. Ouais, c'est un peu. Ok, j'écoute cela. Je reviens sur la fondamentale, j'essaie de m'imprégner, vous voyez, des notes, des intervalles. J'essaie d'écouter ce que ça donne par rapport à ma référence toujours. Comme dans la musique indienne où il y a le bourdon, vous savez, puisque eux, leur musique est modale. La quarte. Je reviens sur la tierce. J'écoute comme ça. Là, je suis sur la quinte. Pardon, je vais faire un la, mais vous comprenez? Là, j'écoute en fait la valeur qu'a chaque intervalle et la combinaison des intervalles vis-à-vis de la fondamentale. D'accord? Donc, là, moi, je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Donc, fondamentale, seconde majeure, tierce majeure, quinte juste, sixte majeure, septième majeure, fondamentale. Et j'écoute, mais faites ça pour n'importe quel mode. Donc là, en fait, j'ai fait le mode ionien. Là, vous êtes gargarisé avec du mi, d'accord, à fond la caisse, d'accord, et des intervalles. Et maintenant, écoutez ce que ça donne avec une quinte augmentée. Donc, on aura le mode lydien. Déjà, là, on se rend compte de la valeur de la note de cette quinte augmentée, ok? On sent vraiment, là on se dit, punaise, elle nous apparaît. Parce que si jamais, par exemple, je vous avais fait mi ionien et après la lydien, donc en fait c'est les mêmes notes, d'accord? Mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, ré dièse, mi, d'accord? Mais pas en partant de la même note. Mais en fait, vous n'auriez pas entendu la quinte augmentée, vous auriez fini, votre oreille était habituée aux intervalles de mi majeur, et en vous jouant la lydien, vous n'auriez pas entendu la valeur qu'a cette quinte augmentée, puisque vous auriez entendu mi majeur. C'est pour ça que même si ça peut servir comment dirais-je, de façon d'apprendre, de raccourci pour apprendre mieux les modes et tout, le fait de les mettre en relation avec la tonalité, d'accord, mi majeur, je vous invite à faire chaque mode dans la même tonalité pour que vraiment vous vous rendiez compte de la valeur des intervalles. Donc en fait, par exemple, putain, c'est pas du tout une vidéo sur les intervalles à base, merde.
Ouais, mais Goodrick, de toute façon, c'est la méthode de Goodrick. De toute façon, les trois quarts de ce que j'utilise, ça vient de Goodrick, du guitariste en évolution. Donc, vous voyez, par exemple. Alors, pour en revenir à la question de la personne qui est de tout à l'heure qui était intéressante, ce qu'on peut dire, c'est que. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est ce que je dis à ma femme, je suis jamais rentré dans les cases. Jamais dans ma vie, jamais une seule fois dans ma vie, je suis rentré dans une case. Mais c'est chiant des fois. Donc par exemple, je vais chercher des accords qui vont sonner en fait lydien. D'accord? Par exemple, puisque maintenant j'ai fait ce truc développé. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder? On a le majeur 7, mais le majeur 7 ne contient pas de carte augmentée. D'accord? Donc ça va m'obliger à faire soit un renversement où je vais suspendre la tierce. Et du coup, j'ai pas de tierce, ce qui est quand même une des notes les plus importantes de l'accord. Ça, c'est embêtant. Donc, déjà, il faut trouver une façon de mettre une carte là. Et la carte augmentée, je l'ai ici. Donc, ce dont je me rends compte, c'est qu'en faisant un accord, par exemple, de fa dièse base de mi, j'ai un accord qui peut s'apparenter à du lydien. Ok? Si jamais, par exemple, j'ai cette position d'accord que tout le monde connaît, mais que j'enlève la quinte et que je fais ça. Ça sonne pas vraiment lydien, alors pourquoi? Ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ça, oui, ça sonne plus lydien, ça aussi. D'accord? Il y en a sûrement d'autres, il y a celui-là, par exemple. Là, c'est par exemple encore un fa dièse en triade basse de mi. D'accord? Donc là, j'ai un fa dièse, un truc qui va sonner bien lydien, c'est fa dièse majeur, la triade basse de mi. D'accord? Car elle contient en fait. Non, c'est pas un fa dièse majeur. Si. Donc en fait, ça contient. Si on regarde, ça contient la carte augmentée, d'accord, la sixte majeure et la neuvième. Donc on a une super structure. Donc déjà, on peut faire tout un travail sur là-dessus. Vous avez votre mi. Ben, vous pouvez développer avec. Tout un développement comme ça avec des mélanges de triades, tu mélanges tes accords de mi majeur avec des triades, d'accord, en gardant bien ta référence. C'est ça la difficulté. Ok, donc voilà par exemple une idée à faire quoi. La triade lydienne, ouais, il y a ces triades lydiennes. Si par exemple, vous vous basez, par exemple, je sais plus, je crois que c'est Rick Beato, là, Beato qui en parle. Là. Lui, je crois que pour lui, la triade lydienne, c'est en fait, par exemple, la fondamentale, la tierce et la quarte augmentée. C'est vrai que ça sonne. Voilà, et après, tu fais ça tous les renversements. Donc en fait, si vous avez ça, c'est pour vous, je vous l'explique vite fait. Si jamais vous voulez développer là-dedans. Vous avez votre triade demi majeur et en fait la quinte ici, le si, vous le remplacez par le la dièse qui est en fait la quarte augmentée. Après sur la deuxième position par exemple ici, vous avez votre si, mais en fait vous le remplacez par la quarte augmentée, triade demi majeur, triade lydienne demi majeur. D'accord, pareil, si on est ici, là j'ai ma quinte, c'est le si, je remplace par, d'accord. Il faut voir de s'en servir, etc. Je vais être franc avec vous. Je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut sélectionner pour travailler. Et que si jamais, par exemple, vous voulez jouer lydien, déjà, bon, ben, faites-vous quelque chose où c'est vous qui générez l'accompagnement, vous faites un backing track. D'accord. Et. Majeur 7 dièse 11, mais le voicing est un peu chiant, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme voicing intéressant, un peu spécifique? Avec plaisir, Maxime. Voilà. Et après, travail. Et chercher comme ça. Moi, je vous conseille de. Et après, avec
le système triade perse, même si je suis pas un grand fan. Là, j'alterne mi et fa dièse. Ben après, Maxime, je crois que c'était Maxime qui posait la question, quels sont les modes, Quentin, les plus utilisés en musique, ça dépend du style. Si tu prends la pop, c'est le mode majeur, et le mode mineur, c'est tout. Si tu prends Ingo Malmsteen, bon, il utilise mode phrygien majeur, souvent, ou le mineur harmonique. Si tu prends, je sais pas moi, tout dépend le style de musique, quoi. Majeur 7 dièse 11, ouais. Mais après, je suis pas, tu vois, moi, par exemple, enfin, c'est con à dire. Parce que si tu donnes un semblant de cours ou de trucs comme ça, t'es obligé de faire travailler les arpèges à tes élèves. Mais quand est-ce que tu fais de la musique avec ça, si tu veux, à un moment donné, c'est bien pour faire du contenu. Encore une fois, je vais un peu spoiler ce qui se passe de l'autre côté d'un mec qui fait des vidéos YouTube. T'aimes bien aussi trouver des sujets, surtout pour tenir pendant... Si tu dois tenir ta chaîne vidéo YouTube pendant 10 ans, il faut trouver des sujets, et c'est pas évident. Donc à force, après, tu te dis, ah ben tiens, je vais faire l'arpège dièse 11, machin, truc, ou la gamme Zarbi, comme j'avais fait plein de gammes Zarbi et tout. Voilà, après, il faut voir dans quel cadre tu t'en sers, et si tu fais pas de la musique expérimentale, tu vois. Voilà, mettre en contexte, voilà, c'est ça. Si en contexte, par exemple, si vous écoutez la musique de film, je vous invite à beaucoup, chose que j'ai découvert assez tard quand même, la musique d'un film a beaucoup, beaucoup d'impact, d'émotion que vous ressentez en voyant l'image. Je veux dire, selon la même image, selon la musique, peut avoir, comment dirais-je, deux connotations différentes. Pourtant, ce sera la même image et la musique change. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il est fort probable que selon la musique, vous soyez inspiré par la musique plus que par l'image que vous voyez. D'accord? Vous voyez, par exemple, si je prends souvent cet exemple, je crois que je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais par exemple, la petite maison dans la prairie, si jamais à la place de la musique Rose Bonbon, ils avaient mis ça, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire déchiqueter, la gamine qui court, tu vois. Tu sais pas ce qui va sortir du buisson, quoi, tu vois. Selon ce que... Attendez, je vais essayer de vous faire cet accord un peu... ouais, c'est ça. Si t'entends ça dans un film, quelle que soit l'image, tu sais qu'il va se passer un truc vraiment pas cool, quoi. D'accord? Donc ça... voilà, ça influe les émotions. Souvenez-vous, sur la Wii, hein, pour ceux qui ont connu ce console, il y avait un jeu qui était vraiment au-dessus des autres sur la Wii, et c'était Resident Evil 4, d'accord? Et ce qui était extrêmement flippant, et c'est là que j'ai compris à quel point la musique agissait, en fait, sur vous, plus que l'image. C'est-à-dire que, dans le jeu, souvenez-vous, on avait le Nunchuck et compagnie dans Resident Evil, et en fait, les zombies, en face, ils arrivaient tout doucement. Mais la musique, si vous voulez, elle montait en intensité beaucoup plus vite que ce que le mec, il arrivait. Du coup, en fait, tu se pentais grave et que tu te faisais allumer parce que tu gardais pas ton calme parce que la musique te stressait. Et une fois que tu as compris ça, ben après, tu dégommes tout le monde, sans problème. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, la musique influe beaucoup plus que, en fait, en vérité, l'image dans un film. Pareil, si jamais on avait mis de la musique Rose Bonbon sur, par exemple, Jason, j'ai vu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, quel film à chier. Si tu avais mis cette musique-là sur Jason de Vendredi 13 ou je sais pas quoi, ça aurait été, tu te dis, mais il n'est pas crédible, quoi. Le mec, il n'est pas du tout crédible, tu as envie de lui rigoler au nez quand il vient pour te tuer, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois. Donc, c'est un peu, il faut... voilà, il faut pas oublier la musique, voilà, c'est... Et le mode lydien, par exemple, dans Franklin, quoi, tu vois. Franklin, la petite tortue, parce que mes enfants, ils regardent ce dessin animé, là. Mais tu l'entends souvent, ça. Par contre, si t'entendais ça... Tu vois, tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça va t'influencer différemment, mais souvent on entend ça. Dans Desperate Housewives aussi on entend, donc le mode lydien, regardez ce qu'il fait là, c'est ni plus ni moins qu'un, regardez, la majeur, en fait si vous voulez c'est comme un sol majeur mais en la, comme ça, ok. Et en fait j'ai ma triade de la majeur ici et je la monte en si, et ça me donne bien une couleur lydienne. Ok.
Et après, si vous montiez. Voilà. Donc écoutez un peu les musiques de films, tout ça, c'est vraiment. Ouais, il y a le mode lydien dans les. Et même, c'est lydien bémol 7, il me semble même. Ben, pour travailler à deuxième, quatrième double, ben, j'ai envie. Excusez-moi, je me fais ma propre pub, hein, mais il y a ma formation funk ou ma formation aller-retour là. Ouais, il y a des passages, mais beaucoup dans les trucs un peu fantasy et tout. D'accord, alors ça, la gamme ton par ton, c'est intéressant parce que souvent dans les passages dans l'espace, c'est la gamme ton par ton. Pourquoi? Alors pourquoi, vous allez me dire, c'est vachement intéressant. Ouais, les clusters, ouais, mais bon, les clusters, bah, c'est. En fait, la gamme ton par ton, il n'y a pas de truc qui nous rattache au sol, si vous voulez, par des demi-tons. Parce que, en fait, ce qui fait beaucoup la caractéristique des modes et des gammes, c'est en fait c'est où sont placés les demi-tons, d'accord? Donc le placement des demi-tons à l'intérieur de la gamme, justement, vous voyez? Et le fait de ne pas avoir de demi-tons, ça nous rattache à rien, puisque le demi-ton, si vous voulez, il fait ça, en gros, hein, je vais vous le dire, ça fait, comment je pourrais vous le... ça fait ça. Le demi-ton, il nous aide à... Ah, merci, à revenir les pieds sur terre, si vous voulez. T'attends quelque chose? Ah, merci, ok. Ok, et le demi, et là, le fait qu'il n'y en ait pas... D'accord, c'est vraiment... C'est vraiment... voilà. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Alors, la formation aller-retour, c'est 6 chapitres, d'accord, avec... je vous mets là, regardez les gars. Voilà. Allez voir le teaser, j'en ai parlé au début. Je vais pas tarder à arrêter parce que j'ai encore j'ai mon backing track de demain à faire. Donc voilà, la gamme ton par ton. Et après, pareil, ça, dans le jeu out, justement, tu peux l'utiliser des fois. Encore une fois, il y a un truc intéressant sur lequel je voudrais revenir tout à l'heure par rapport au jeu out. Mais George Benson, je crois que... Je sais pas exactement quelle technique il utilise. Je pense que c'est un mélange de sweeping, c'est pas vraiment de l'aller-retour, tout ça, même si il le fait à 10 000 à l'heure, quoi. Franklin Backing Track, c'est quoi ça, Franklin? Je connais pas Franklin Backing Track. En fait, Benson, je pense que... Je sais pas trop, parce qu'en fait, si vous voulez, la technique, je pense, je suis pas un grand spécialiste de George Benson, je connais beaucoup plus la pop de George Benson que le jazz. Ah oui, Franklin, ah oui, putain. Et non, puisque tu n'as plus le droit de faire du contenu pour enfants, il faut le savoir, à cause de la loi COPPA, d'accord ? En tout cas, ne plus faire du contenu pour enfants sur YouTube, ou du moins, ce sera un peu spécial, quoi. Je pense que comme sa technique à George Benson, en fait, George Benson, il vient d'où? Il vient de West Montgomery. West Montgomery joue avec le pouce. Donc, beaucoup en couvert le bas, comme ça. Ah, mais merci Sergio. Ça me fait vraiment plaisir, quoi. Donc, en fait, si tu veux, il joue comme ça. Il est très influencé par West Montgomery. Et donc, je pense que sa technique de médiator vient beaucoup de ça. D'ailleurs, tu le vois comment il le tient. D'accord? Son médiator, il tient. Je pense que ce qu'il fait, lui, George Benson, c'est vraiment... Là, c'est vraiment en sweeping. J'ai pas regardé, en fait. Je pourrais pas te dire. Voilà, mais en fait, George Benson, c'est surtout son phrasé qui tue, sa technique main droite. Ouais, après, comme ça, je sais pas, je connais pas, on en parle souvent de Sébastien Gignot, mais je connais pas trop, en fait. Je connais pas, enfin, j'écoute pas beaucoup de jazz manouche, donc j'ai pas...
Et pour ce qui est de travailler la quatrième double, ce qui est très intéressant, enfin moi ce que je te conseillerais, c'est par exemple de jouer, tu mets le métronome, hein, tu joues des croches, donc première et troisième double. Et après, tu essayes de faire quatre, deuxième, quatrième double en restant vraiment régulier, en faisant en sorte que les deux soient, si tu veux, c'est proportionnel, simplement que c'est décalé d'une deux, tu es d'accord avec moi? Deux croches, c'est en fait deuxième, quatrième double, ce sont deux croches, mais en partant de la deuxième, c'est pareil. Donc vraiment le faire 1. 1. Et après, surtout de. Faire des trucs, de relever des trucs. Super Pierre, super les gars, merci beaucoup. Donc voilà pour ce petit impromptu live. Que dire de plus? Si vous avez un peu des questions, je reste 5 minutes et après il faut que j'aille bosser. Ouais, franchement, je dis, ouais, Jean-Marc, ouais, je te dis, le walking bass, c'est un bon exercice, et puis ça entraîne ton oreille à entendre ce qui se passe dans le grave. Ben, tendinite, je vais être franc avec toi, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu, donc, salut Laurent, à plus, à bientôt. J'en ai jamais eu, donc, moi, ce que je te conseillerais, je pense que c'est ce que n'importe qui te conseillerait. Ouais, un petit peu, je joue un petit peu sans médiator. Je suis pas. J'essaie de jouer un peu au pouce, un peu avec un jeu hybride comme ça, quand tu tiens le médiator comme ça. Notamment quand je joue un peu. Mais ça dépend, et puis quand je joue un peu de la classique. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé le jour. Voilà, donc ça dépend. Ouais, je fais un peu, bah, un peu tout. Voilà. Pour les tendinites, et je pense qu'il faut beaucoup boire d'eau. Et si jamais tu as des tendinites à répétition, et c'est encore une fois un truc dont je parle dans ma formation, c'est que qu'est-ce qui. En fait, quand tu as une mauvaise position. Avec plaisir, Jérémy. Quand tu as des mauvaises positions, en fait, ça t'empêche de travailler longtemps. En fait, c'est pour ça que tu progresses pas. Et c'est pour ça que quand tu pratiques, en fait, ça te saoule très vite, ça te fatigue parce qu'en fait, tu te fais du mal, quoi. Clairement, ça te fait pas du bien. Donc, en fait, si t'appuies comme un aïe sur les, quand tu travailles, t'appuies comme un malade partout et que t'es crispé à mort, déjà, c'est mort, quoi. Voilà. Déjà, il faut pas être crispé, il faut respirer. Et la force que tu exerces, il faut exercer la force qui suffit à ce que la note joue. Et c'est pas pour ça que, c'est pas parce que tu fais ça que tu, c'est pas parce que tu joues très proche de la corde comme ça que tu peux pas avoir un. Que tu peux pas. Merci beaucoup Rémi, je suis content que ça te plaise. Il faut, en fait, il faut trouver une position, trouver la position qui te convient à toi, et c'est pour ça, bon, ça je vous spoil pas. 10,46 Elixir de. Je me souviens jamais de. Ce sont des, je fais pas du tout de placement de produits, ce sont des polyweb, je crois, ou des nanoweb, enfin je sais plus lequel. Attends, c'est lequel ça? 10,46. C'est soit celle-là, soit celle-là. En fait, c'est celle que je trouve dans le magasin. Il y a, je crois que c'est les OptiWeb qu'on trouve pas facilement, ou les PolyWeb, je ne me souviens plus. J'en sais rien. En fait, ce sont celles qui sont dans mon magasin, parce qu'il y en a une des deux, je ne sais plus lesquelles c'est, qu'on trouve plus difficilement que les autres. Voilà. Et après, sur la libanaise, je mets du 13,56, je crois. Sur la libanaise jazz, là. Voilà.
c'est mieux pour moi. Même, voilà, j'aime bien quand le tirant est un peu fort. Ouais, j'ai pas d'ongles en fait, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas d'ongles. En fait, j'ai juste les ongles à peine. Je sais pas si vous voyez bien là. C'est où là? Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, je joue pas vraiment avec les ongles. Donc, ouais, c'est vrai que en fait, alors ça, l'histoire en fait, si ça t'intéresse, Cyril, en fait, c'est quand j'avais fait le masterclass avec Sylvain Luc. Sylvain Luc, en fait, c'est parce que je suis fan de Sylvain Luc, je me les taille comme lui, si tu veux. En gros, c'est que il me disait qu'il faut que je, enfin, lui en tout cas, il fait en sorte que ça soit juste, tu vois, parce qu'il joue pas vraiment en buté ou très peu, hein, je crois, d'accord, et baisser la force. Alors, moi, ce que je voulais vous dire simplement, c'est l'exercice que j'ai fait faire à tous mes élèves en fait. C'est ce que j'ai appelé, enfin, je sais pas si c'est moi qui ai appelé, je me souviens plus, le crabe. Donc, le crabe, c'est ça en fait, c'est un chromatisme. Donc, on commence le crabe, on va essayer de le faire parce que tout le monde a la capacité, même si là, les cases, bon, moi, j'ai de la chance, en fait, j'ai une petite main, mais j'ai des longs doigts qui s'écartent assez facilement. Donc, ça, c'est bon, bah, c'est cool, mais en fait, en même temps, j'ai pas beaucoup de force, d'accord? Dans les trucs. Donc des fois, selon ce que je fais, ouais, quand je fais des gros trucs comme ça en extension, j'ai du mal à. Bon, ça, il faudrait normalement. Normalement, il faudrait le faire en tapping, mais moi, je ne fais plus de tapping. Et voilà, je manque de force, vous voyez, dans mes. Donc je suis obligé de travailler des trucs pour gagner de la force. Et puis là, je suis pas très chaud. Donc le crabe, en fait, ça sera de faire un chromatisme comme ceci. D'accord? Mais attention, de garder ses doigts collés dans les cases, un doigt par case. Et donc, quand vous allez être obligé d'avoir un doigt par case en laissant vos doigts, parce que ça, c'est pas bon. Si vous faites ça, c'est du caca. C'est pas bon. Il faut que ça passe. Vous voyez, je garde mes doigts à l'intérieur de la case. Donc, vous n'y arriverez pas si votre pouce derrière, il n'est pas dans la bonne position qui vous convient pour jouer à vous, en fait. Et quand vous arriverez sur le mi grave, le but, c'est pas d'aller vite, hein. Quand vous serez sur le mi grave, si jamais vous n'avez pas une bonne position du pouce derrière, vous n'arriverez jamais à garder vos doigts collés dans les cases. Vous voyez, le but du jeu, c'est de garder les doigts collés le plus longtemps possible aux manches. Et quand vous faites ça, et suivez mon conseil, demain dans les commentaires, vous revenez dans cette vidéo et vous me dites: ah, mais t'as raison, je l'ai fait lentement pendant 5 minutes et j'avais la main, elle était bouillante. Et oui, parce que tu gardes tes doigts collés à l'intérieur des cases. Donc en fait, la force exercée, quelque part, elle dure plus longtemps puisque tu le fais lentement. Si tu fais ça, tes doigts, ils appuient jamais, ils appuient une fraction de seconde à chaque fois. Donc. C'est ça le truc. Alors que quand tu restes collé, et encore une fois, Sylvain Luc, je tiens à encore vous dire, Sylvain Luc, il m'a montré ça.
et il m'a montré ça. Ouais, Bob. Bob, bien sûr, Kiko Loureiro, mais en fait, personne n'a inventé la roue. Tu peux pas. T'imagines, t'as des milliers de guitaristes, des centaines de milliers de guitaristes qui donnent des cours. Avec plaisir, Thomas. Ouais, motivé, les gars, motivé pour la gratte, quoi, à fond. À fond. Bien sûr qu'il faut être motivé, surtout quand tu essayes de transmettre ta passion. Sinon, les gars, aujourd'hui, on va faire la gamme pentatonique, je crois. Voilà, si le mec il est comme ça, t'as pas envie, tu vois, les profs en cours et tout, c'est pour ça qu'on s'emmerde à l'école. Voilà. Donc le truc, pour en revenir à ça, c'est que tout le monde fait ça, forcément, puisque personne ne réinvente la roue, tu vas pas inventer des milliards d'exercices, sauf si, dans le cas où, je sais pas, moi, par exemple, t'écris un bouquin spécifiquement d'exercices de délie-doigts, etc. Voilà. Donc le truc, c'est que ça, par exemple, si tout le monde le fait, c'est qu'il y a une raison, quoi. Et si, encore une fois, moi je suis. Même si. Si j'aime la rapidité, ouais, moi je pense qu'on peut toujours innover. Il y a toujours un mec pour qui t'as. Salut, Mister Mac Bluzik. Mac Bluzik. Tu peux toujours innover, de toute façon. Voilà. Tu peux chercher soit dans le son, soit dans l'esthétique. Regarde par exemple, quand Bill Frisell. Bon, je suis pas un fan de Bill Frisell, tu vois, mais en fait, l'histoire de ce mec, c'est qu'à un moment, d'après ce qu'on m'a raconté, si ma mémoire est bonne, parce que bon, pareil, on a tellement raconté d'anecdotes et de trucs comme ça, si tu veux, que. Après, je me souviens plus exactement de tout ce qu'on m'a dit, si tu veux aussi. Voilà. On m'a dit que Bill Frisell, il était très très fan de John McLaughlin, si tu veux, et qu'en fait, le moment où il est devenu connu, le gars. C'est simplement le moment où il a fait son truc à lui, si tu veux. Et je rejoins encore, si tu veux, les mecs comme, par exemple, Alan Holdsworth. Hein, tout le monde le sait que je suis un grand, grand fan. Enfin, en tout cas, les mecs qui me suivent un petit peu depuis quelques années, ils savent à quel point je suis fan d'Alan Holdsworth. Et en fait, bon, ben, Alan Holdsworth, il te le dit, tu vois, il te dit, bon, moi, je ne vois aucun intérêt à vouloir sonner comme un autre ou, tu vois, il veut être soi-même et dans sa dans si tu veux dans sa philosophie même musicale, il a toujours cherché à être singulier. Si tu veux, Alan Holdsworth te fera jamais ça. Jamais. D'accord? Il te fera ça. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, on pourra toujours innover à la guitare. Et effectivement, voilà, Cyril qui est aussi. Je vous invite à aller sur la chaîne de Cyril qui fait des cours aussi et des backing tracks, tout ça. Qui est un super site aussi, d'accord? Mets le lien de ton site en commentaire, Cyril. Tu vois, il y a toujours façon d'innover, de trouver, par exemple, bon après, c'est embêtant, j'ai l'impression que, si tu veux, j'ai l'impression que le monde n'a jamais été aussi peu créatif que depuis qu'il y a Internet. C'est con, hein, ce que je dis là, parce que je suis accro à Internet. Vous voyez bien, je suis devenu accro à YouTube, d'ailleurs on en parle souvent avec ma femme et tout. Voilà, j'ai un peu une addiction à ça, voilà, au game. Voilà, ils savent tous jouer, etc. Après, l'innovation, moi, quand je vois par exemple l'innovation qu'il y a eu, ne serait-ce que dans les années 70, je remonte pas plus parce que l'innovation, elle est présente depuis toujours, finalement. Hein, quand tu prends, excuse-moi, mais quand tu écoutes. Quand tu écoutes Bach, quand tu écoutes Rachmaninoff, je prends souvent l'exemple de Rachmaninoff parce que vraiment c'est de la musique qui me touche et qui est extrêmement. Ouais, voilà. Après, ouais, Matteo Sazzato, si tu veux, ce qu'il fait, c'est un peu un mélange de Hendrix, Double Stop, ouais, c'est génial, mais en tout cas, je trouve. Enfin, c'est pas que je trouve pas que j'adore ce qu'il fait ce mec-là, hein, il n'y a pas de souci. Moi, quand je parle d'innovation, par exemple, qui est-ce que je pourrais dont je pourrais te parler aujourd'hui d'innovation? Pour moi, c'est un mec qui a innové grave ces dernières années. Qui je pourrais vous. C'est-à-dire que le mec, tu l'entends. Par exemple, Bo Diakovitz, là, ce mec-là, qui fait du maintenant du hip-hop jazzy et tout. Moi, pour moi, il a vachement innové parce qu'en fait, tous les gars maintenant qui font du style néo-soul et compagnie, ils viennent de Bo Diakovitz qui, en fait, a pris le jeu de Joe Pass et du jeu poussé en accord, mais même beaucoup plus, même finalement, que Joe Pass, parce que le mec, il fait des solos de fou en accord, quoi. Enfin,
Voilà, c'est monstrueux ce qu'il fait ce mec. Et c'est vraiment l'artiste pour moi, c'est l'artiste pur, maudit, là. Tu vois que le mec, il a pas du tout d'ego. Alors, putain. Ouais, alors je l'ai fait, je crois que je l'ai fait trois fois, le teaser. Attends, tu vas voir, regarde. Kilix45, tiens, hop, tu veux le teaser? Tu vas sur cette page, tu as le teaser, la première, la vidéo introduction, elle est gratuite sur cette page. Si tu veux, moi, voilà, par exemple, mais quand tu écoutes un mec comme Alan Allsworth ou McLaughlin, même si je suis pas fan de McLaughlin ou tout ça, ouais, non, mais il y a quand même, non, mais c'est bien quand même ce qu'ils font, les mecs, hein, moi, je vois un peu sur Instagram et tout, c'est super bonnard. Après, ce qu'il y a, c'est que, si tu veux, il y a des mecs qui sont impressionnants, mais après, la musique peut ne pas te toucher, si tu veux, dans le sens où, ben, moi, des fois, je préfère écouter, c'est bête, hein, mais comme je vous dis, je préfère écouter un mec qui n'est pas du tout impressionnant, mais le morceau, je vais le réécouter 150 000 fois, parce que, non, en fait, par exemple, si tu veux, enfin, moi, je suis pas un spécialiste du style néo-soul, mais si tu veux, par exemple, il va faire une phrase, mais tout harmonisé. Et tout faire en double sol. Avec des triades comme ça, il va prendre toutes les triades et faire des accords comme ça. Et après, il rajoute le gars, il rajoute le... Tu vois, et il rajoute des accords en tapping comme ça, si tu veux, par exemple, il fait un accord, et puis après, il complète. Il complète avec des notes en tapping comme ça, tu vois. Et il met du delay, si tu veux. Putain, on va se le faire le delay. Tu vois, et puis il complète comme ça, un peu comme... Comme Satriani faisait. Attendez, j'avais fait un morceau quand j'étais au. C'était faisait quoi? Comme ça avant, un peu à la Satriani, là, quand j'étais fan de ce genre de truc. Mais voilà, le truc, c'est qu'après, les mecs, il a su être créatif. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il harmonise une mélodie avec des triades. Il connaît tellement, il a tellement bossé, le gars, que les triades et tout, que lui, il fait des solos avec des triades entières. Quoi. Et ça tue, hein, franchement. Moi, je trouve que ça tue son jeu. Voilà. Mais après, le mec est pas du tout. Tu vois bien que le mec est pas du tout intéressé par le Star System et compagnie, qu'il a vraiment fait un truc complètement. Et après, tous les trucs à l'Hendrix. Comme ça, au sol, ils le font tous. Voilà, donc c'est intéressant aussi, hein, franchement. Après, voilà, moi j'essaye de, en tout cas, je parle pour moi, hein, j'essaye de m'inspirer des autres. Dès que je vois un truc qui me plaît, c'est vrai que j'essaye de voir la phrase, les phrases qui me plaisent et tous ces trucs-là. Et après, c'est vrai que j'essaye de trouver de suite mon truc avec, si tu veux, de pas toujours pomper. Même par exemple, quand je relève des plans d'Alan Allsworth, tu vois, j'essaye plus de comprendre le système qu'il utilise plutôt que de faire le même plan texto, tu vois. Par exemple, pour en revenir au jeu out, tout à l'heure on me le demandait, mais par exemple, dans Allsworth, ce qu'il utilise beaucoup, c'est la symétrie. Tu vois ce que je veux dire?
Et en fait, par exemple, il y a des gens qui aiment en fait traiter ça sur YouTube en se disant ouais putain ça va être super viral et compagnie, ça va faire des vues. Mais par exemple, Alan Allsworth, il y a beaucoup de vidéos qui disent qu'il utilise le mode à transposition limitée de Messiaen numéro 3. Donc la gamme, ça fait ça. D'accord? Ça fait ce son-là. Mais si tu veux... Ah, attends, putain, je vois pas, j'ai pas le temps de tout lire. Mais en fait, tu vois, par exemple, j'imagine que tu parles de James Field, Herb, Rdr. ça dépend le son que tu veux avoir. Par exemple, c'est bête à dire, mais si James Field jouait pas tout vers le bas dans Metallica, ça sonnerait pas pareil. Tu vois, si c'est. Par exemple, si jamais un mec il joue, par exemple. Si par exemple quand Stevie Ray Vaughan y joue, s'il joue tout vers le bas ou tout vers le haut, c'est qu'il cherche un son, c'est pas qu'il se dit ah ben tiens je vais te faire vers le haut, c'est qu'il cherche ce son là et c'est ce que je vous invite à. Et c'est ce que je vous invite à faire. Voilà, mais et en plus, ouais, Cyril, je suis d'accord. Et en plus, James Field le fait en chantant et pendant 3 heures de concert d'affilée depuis. Voilà, c'est clairement c'est le son de Metallica, c'est James Field, quoi. Il faut, enfin, aussi bien la voix. Je veux dire, la guitare de James Field est presque aussi importante que sa voix dans Metallica, quoi. Voilà, quel son on veut avoir, quoi. Voilà. Moi, je sais que des fois, enfin, par exemple, bon, bref, je vais pas encore m'étaler, mais j'essaye de varier vraiment, en tout cas de chercher dans par exemple, j'aime bien ce principe-là que j'ai découvert par hasard. Ben oui, si jamais tu veux avoir le même son, oui. Voilà, ça va te prendre plus de temps, mais encore une fois, si jamais tu veux travailler. Putain, ça fait quoi déjà? Être hyper loin du tempo, ça doit faire. Ah bon, bref, moi je jouais ça quand j'étais vraiment jeune, je joue plus du tout ça. Excusez-moi les fans de Metallica, je viens de blasphémer, je mérite le bûcher. D'accord, en son clair. En son clair avec de la reverb et le micro intermédiaire qui sert pour les rythmic funk, quoi. Donc je suis désolé pour les fans de Metallica, excusez-moi les gars. Donc je pense que tu dois travailler petit à petit et puis surtout essayer d'avoir le mouvement le plus économique possible. Si jamais tu fais ça, tu pourras pas. Il faut que tu sois proche comme ça. Et que tu travailles sur ton endurance, donc ça veut dire pas faire. Mais en fait, vraiment te détendre et travailler en fait sur ton endurance. Et s'il faut pas, tu sais, si tu n'y arrives pas, tu travailles par. Tu vois, tu fais des segments comme ça assez courts pour t'obliger et après tu travailles en endurance. D'accord, donc voilà pour le truc. De quoi je parlais tout à l'heure? Enfin bon bref, voilà, j'ai un peu dévié encore une fois. Vous me connaissez, de toute façon, si vous regardez mes vidéos, vous savez que des fois je pars, je sais plus de quoi je parlais. Donc voilà, si jamais le son influe. Ah oui, tout à l'heure je vous disais, pour le travail du son. Par exemple, tu vois, j'aime bien... j'aime bien travailler, tu vois, quand t'as une petite disto, enfin un petit crunch. Attends, alors les gars, si jamais je joue trop fort, je vais me faire scalper par ma femme. Voilà.
Voilà. Mais regardez, j'aime bien quand je joue dans les aigus. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien jouer là. Voilà. Et quand, alors pour en revenir au son aussi, observez un mec, même si vous n'aimez pas trop, mais observez un mec comme Michael Lando, d'accord? Qui est Michael Lando, qui est en fait le recordman des guitaristes de studio de Los Angeles, hein, il doit être sur des milliers d'albums en tant que guitariste, que ce soit Olivia Newton-John, Joe Cocker, enfin, il est de partout, hein, voilà. Et bien, regardez comme il cherche son son. Il est tout le temps en train de toucher son. Vois, par exemple, il joue beaucoup avec le retard de volume, le retard de tonalité, et il est tout le temps en train de les toucher, si tu veux. Et il cherche, il joue. Il cherche toutes les palettes, alors que si je mets trois ronds. Palette de différents sons qu'on peut avoir avec en touchant le volume, la tonalité, etc., etc. Et en jouant avec les doigts, en jouant avec le vibrato. Regardez Jeff Beck, quand il est tout son truc là. Okay. Tu parles de la main droite, le poignet doit se bloquer à partir d'une certaine vitesse. Mais en fait, moi, c'est. Au début, en fait, c'est. Alors, attends. Par exemple, quand je fais ça, je suis hyper détendu, tu vois. Sinon, de toute façon. Enfin. Ce que je veux dire, c'est que. Moi, je pense que quoi que tu fasses, quoi que tu, en tout cas, voilà, c'est ma philosophie entre guillemets. Quoi que tu fasses, même si tu démontes la guitare et que tu veux. Il faut que ce soit fait de façon souple. Si jamais tu es. Non, tu vois, il faut. Tu vois, comme par exemple un mec comme Stevie Ray Vaughan qui démonte la guitare quand il joue, c'est fait d'une façon souple. Quand. Regardez, il y a une vidéo, je sais plus, tapez Stevie Ray Vaughan acoustique, machin truc, blues acoustique, ou je ne sais plus quelle vidéo. Le mec, à un moment donné, on voit sa main droite, mais là. Elle est parfaite, elle est parfaite, le mouvement est parfait. C'est-à-dire que tout est. Même si tu joues. Fort, il faut quand même que ce soit fait d'une façon souple. Et si t'es crispé quand tu joues. Ah, j'arrive même plus à le faire, mais. Tu peux pas, quoi, voilà. Voilà, c'est ça exactement. Je te connais, Octu. Une Gibson. Et puis, exact, sur une Gibson à la TV française en plus. Je ne sais pas, mais enfin voilà. Le truc, c'est que. Marc Ribot, oui, je connais Marc Ribot. C'est hallucinant ce mec. D'ailleurs, quand vous le voyez jouer. Yo! Donc, quand vous voyez jouer Marc Ribot, justement, parce que moi, j'aime bien, en fait, j'aime bien quand je m'intéresse à un mec, c'est voir la chronologie de un peu de sa carrière. Et quand j'ai trouvé une vieille vidéo de Marc Ribot où je jouais un standard qui s'appelle
Milestones Hold, d'accord, avec des changes qui sont un peu compliqués à jouer. Et franchement, déjà très jeune, il avait un phrasé de fou. Tu vois, par exemple, dans Marc Ribot, on est vraiment face au mec qui, je trouve, maîtrise à fond et super bien le langage, en fait, jazz, et qui a décidé de faire son truc après, un peu comme tous les gars vraiment qui ont tué, quoi. Mais non, non, Stevie Ray Vaughan, les gars, mettez-vous dans le... J'imagine que Stevie Ray Vaughan, c'est des mecs qui lui ont montré comment jouer de la guitare. Et c'est ce que je disais au début par rapport vis-à-vis de la formation. C'est que, par exemple, quand on n'est pas Stevie Ray Vaughan ou Django Reinhardt et qu'on n'a pas appris de la musique de façon orale, c'est-à-dire que Stevie Ray Vaughan, il y a un mec qui lui a dit « Ouais, tu fais ça !» Il y a un mec qui lui a dit tu fais ça, ou il a entendu sur des CD, il a joué là-dessus, le gars il a développé l'expressivité et sa technique vis-à-vis de la musique directement. Il s'est pas dit tiens je vais travailler ma gamme pentatonique. D'accord ? Il s'est pas dit ça. Si tu veux, c'est des mecs qui ont appris la musique de façon orale comme on le fait dans des musiques traditionnelles, etc. Donc si tu veux, la technique découle de ça. Enfin si tu veux, leur technique est en rapport direct avec la musique, si tu veux. Sergio, ouais, j'enregistre des albums, ouais, j'en ai fait un peu, bon, je fais des albums vite fait, si tu veux, hein, voilà, hein. J'ai pas le temps de... Salut Yann, ouais, la piste de Sifour, je connais Sifour, hein, j'ai habité toute ma vie presque à Toulon. Et encore voilà, ça c'est John Zorn et tout, c'est de la musique très... Mais bon, les mecs maîtrisent, hein, on regarde la musique comme ça, les mecs, c'est qu'ils passent un cap qui les intéresse, que certains n'ont pas envie de forcément de franchir, mais... Mais honnêtement, bon voilà, après ça dépend un peu des goûts et tout ça. Pour être franc, je bosse pas vraiment de morceaux. J'aimerais me remettre à relever des trucs et à travailler sur certains standards d'impro, etc. Mais bon voilà, j'ai pas. Ouais. Mais ah ouais, Debussy, alors. Putain, j'avais bossé du Debussy à une époque. J'avais fait une vidéo, vous vous souvenez, sur les arpèges de Debussy, ça faisait un truc comme ça. Ça c'est les arpèges qu'on trouve dans Children Corner Suite, dans le premier morceau qui. Docteur Dradou, ça te parle à sous. Ah je me souviens plus, je me souviens plus exactement, et puis il y a cet arpège. Et là, c'est intéressant, par exemple, de développer avec ça, si vous voulez, par exemple, en fait, de prendre la structure de l'arpège, et ce que j'avais fait dans ma vidéo sur Debussy Arpeggios, vous irez voir sur ma playlist du vlog, du premier vlog, j'avais développé tout un truc... Ouais, j'avais fait ça, ouais. Putain, mais les gars, vous connaissez mes vidéos mieux que moi, c'est génial. Mais voilà, c'est vrai que je me... ouais, mais après, malheureusement, je ne me repose pas sur mes lauriers. Je suis tout le temps en train de travailler, mais bon, je travaille... bon, comme vous savez, j'ai un site internet, donc je crée des formations, je remets un coup de pub pour vous, les gars. Sur la formation et le retour qui sort aujourd'hui, ma femme a vraiment bossé comme une malade pour qu'elle puisse sortir aujourd'hui. Le truc, c'est que... après, tu veux, quand tu... À un moment donné, moi, je vais sur ce qui... Enfin, je travaille ce qui me semble intéressant et utile, entre guillemets. Dans le sens où, par exemple... Je vais essayer de faire des choses qui sonnent très musicales ou qui sonnent je vais essayer des trucs qui vont sonner très professionnels et en même temps très musicales, tu vois. Et tu vois, quand j'ai des élèves
où j'ai des gens qui me disent ouais mais ça sonne super musical ce que tu fais, super mélodique, et tu vois c'est pour moi c'est quelque part c'est le meilleur compliment, parce que même si j'aime la Déboule, non je joue pas dans un groupe en Espagne, non, pas le temps. Tu vois, j'essaie de voilà d'être en tout cas, même si j'aime les plans, tu vois, comme les gâteaux à la noix de source comme ça, tu vois. Moi, j'aimais pas la disto, hein, voilà. Ouais, les trucs comme ça, j'adore, hein, voilà. Mais tu vois, malheureusement, bon, bah, ça nourrit pas, excuse-moi, ça nourrit pas son homme, ça remplit pas le frigo, ce genre de truc. C'est con, hein, mais bon, je suis un passionné, hein, vous le savez. Mais voilà, je vais un peu, hein, si tu veux. Ouais, le hanon, c'est une méthode de guitare, ouais. Ouais, voilà, le hanon, c'est une méthode de guitare, enfin de piano, pardon, qui est repris par certains guitaristes. Mais encore une fois, moi, je vous conseille, ce que je vous, enfin, ce que d'ailleurs, c'est ce que je vous dis dans mes formations. Enfin, je vais pas, vous savez comment je suis. Quelque part, les exercices, on s'en branle, quoi. On s'en fout, tu vois. L'exercice en lui-même, on s'en fout. Ce qui, quand un prof te donne un exercice, si t'as pas compris ce que l'exercice te fait travailler, c'est que en fait, tu as fait 10% du travail, quoi. Moi, je vous invite à trouver votre voix aussi. Merci, ouais, cette guitare, elle est géniale. C'est une Sur T24 Custom, elle est vraiment géniale, quoi. Mais voilà, il faut trouver ce qui vous fait. En tout cas, en fait, un prof. La meilleure chose qu'il puisse faire, c'est vous apprendre à être votre propre prof. Vous voyez? Je pense. C'est-à-dire que, comme je vous disais, par exemple, j'ai pris l'exemple de Starpage de Debussy. Moi, tu vois, quand j'ai appris ce truc-là, le docteur Gradus. Ah, je m'en souviens plus. Je sais plus exactement ce que ça faisait là. D'ailleurs, c'est un super. Un bon exercice pour l'aller-retour, peut-être je le retravaillerai un jour, si jamais tu apprends un truc par cœur et que tu comprends pas ce que tu joues, en fait tu perds ton temps, quoi. Moi j'ai envie de te dire que par exemple, quand tu apprends un truc, de suite il faut que tu apprennes à le mettre à ta sauce et en application. Par exemple, si tu apprends l'arpège de Debussy sans rien faire derrière. Bon, ben, tu connais ton arpège. C'est quoi? C'est un arpège de fa majeur, fa majeur 7-6. Hein, qu'est-ce que je fais? Là, je fais tonique, fondamentale, pardon. Quinte, sixte majeur, septième majeur, fondamentale, tierce majeure. Quinte, sixte majeur, septième majeur. Oui, voilà, c'est ça, c'est d'essayer de le passer en impro et de différentes façons. C'est ce qui est intéressant, c'est que moi j'en ai retenu par exemple des trucs comme ça. Tu vois? Et après j'ai développé, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo, là, cette fameuse vidéo, c'est qu'après tu prends. Là, mettons, tu es sur un quatrième degré, puisque le morceau est en do majeur. Tu es sur un quatrième degré, donc en fait, là, tu es sur le quatrième degré. Après, tu te le fais sur le mi mineur en phrygien, en dorien. Donc là, tu as un accord mineur avec une sixte majeure, quoi. Si vous voulez, ça correspond à ça, d'accord, au niveau du son. Tu arrives sur le do majeur 7. Et après, tu le développes partout. Ça t'aurait plu, ouais, ça m'aurait plu de bosser. Mais je n'ai pas de diplôme en fait. Moi, je suis juste un. Si tu veux, ouais, c'est vraiment le truc qui m'aurait plu, c'est d'enseigner peut-être en musicologie ou en tout cas plus en musicologie que la guitare à proprement parler, en conservatoire et tout, parce que moi, j'ai un problème quand avec l'autorité, quand je suis bridé, tu veux. Attends, j'arrive pas à lire tout sur le téléphone.
Mais attends, 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 Yann, attends, il y a des mecs qui en savent 15 fois plus que moi et qui en plus ont des diplômes derrière, hein, je pense. Deux personnes, là, par exemple, des mecs, voilà. Voilà, donc, tu aurais un tips pour relever plus vite à l'oreille des solos? Non, non, en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, Versov. Plus tu vas le faire, plus tu iras vite. Un bon exemple, prendre un plan et de transposer dans tous les sens et d'improviser juste avec ça dans un magasin. Voilà, exactement, l'improvisation motivique, c'est vraiment le truc voilà, que je trouve le plus intéressant dans le travail de l'improvisation. Oui, mais après, si tu veux, ça valide aussi des trucs. Si tu veux, ça... Ouais, mais... Après, il n'y a pas, encore une fois, je vais vous dire, ce que je vais vous dire, c'est un peu bête, mais il n'y a pas une façon de faire, si tu veux, tu vois. Tu peux pas dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ou il faut faire comme... Tout dépend qui t'as en face, tout dépend la personnalité que t'es, tout dépend l'esprit que t'as, les muscles que t'as, l'oreille que t'as, le cerveau que t'as, le vécu que t'as eu depuis aujourd'hui, le vécu que t'as eu la veille, enfin... Tu peux pas dire qu'il y a une bonne méthode ou une mauvaise. Tu vois le nombre de guitaristes qu'il y a et le nombre de trucs. En tout cas, le point commun de tous les grands musiciens, c'est quand même, ce sont quand même des gens qui ont travaillé, quel que soit leur degré, enfin qui ont pratiqué, quel que soit leur degré de compétence, enfin de don, hein, de don de base. Hein, parce que tu prends un Mozart, si Mozart, alors effectivement. Alors, petite parenthèse, outre le génie musical, Mozart, c'est sûrement le cerveau le plus brillant de l'humanité, hein, il faut le savoir, au niveau de la mémoire, etc. D'ailleurs, il y a ce livre, Je touche rien, c'est pas un placement de produit, mais je vous invite à lire ce livre de Bernard Le Chevalier, hein, okay, vous le voyez, j'en ai fait une chronique, vous allez sur mon site, il y a un lien affilié, donc je touche une micro-commission. Touche une micro-commission si vous le commandez via mon site, mais enfin peu importe, en tout cas commandez-le même si vous passez par mon site. Et le mec, en fait, il analyse des correspondances et des lettres et des témoignages par rapport au cerveau de Mozart. Je pense que le cerveau de Mozart est un cerveau des plus brillants de l'humanité, outre le génie musical et la créativité. Mais bon, le mec, il a bossé comme un malade. Son père, il a fait bosser, mais c'est la musique, c'était tout le temps. Dans une époque où t'as pas de radio, d'électricité, d'eau courante, de trucs, à part se faire de la musique, tu te fais chier, quoi. Il faut, enfin, tu vois. T'as pas le temps de... Ah, moi, c'est du piano. Moi, je regrette pas être pianiste, clairement. Moi, vous savez que je suis très fan de Brad Meldo. Hein. Je vous invite à écouter Brad Meldo, The Art of the Trio 1, 2, 3, 4, 5. Hein, okay. Et surtout, moi, mon préféré, c'est les lives, hein, parce que c'est apocalyptiquement beau. Voilà. Mais encore une fois, voilà, pour en revenir à ça, il n'y a pas une seule méthode. Ce qui va marcher pour toi ne marchera pas pour moi. Et c'est comme à la muscu, si tu veux. Quand tu vas faire de la muscu, ils sont comme ça. Ils n'ont pas besoin de travailler beaucoup, et puis t'en as qui sont skin show comme ça, ils ont autant de force que les mecs qui sont comme ça, voire plus, et ils gonflent pas. Un rapide, salut Manu. Non, 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 tu peux pas dire ça, non, c'est pas le Jimi Hendrix. Dans le sens où Jimi Hendrix, si tu veux, c'est le culot, tu vois. Mozart, c'est quand même le génie. Enfin, tu vois, je dénigre pas Jimi Hendrix, hein, je suis pas un super grand fan de Jimi Hendrix. Et lui non plus n'était pas fan de lui-même, il faut le savoir. Voilà, et les Jack Cycle, je vous invite à écouter cet album. Tu vois, pour moi, Mozart, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu Léonard da Vinci dans la musique, ou plutôt Platon, ou... Pas dans le sens mathématique, mais dans le sens révolution, si tu veux, du truc. Après, oui, Jimi Hendrix a révolutionné le truc. Mais pour moi, il y a si tu veux, les capacités cognitives du truc, tu vois. Pour te dire, un mec comme Platon, ce qu'il disait, c'est intéressant, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. Ouais, Meldo, Metni aussi, ouais. Mais j'aime moins ces albums-là, malgré tout, comparé à The Art of the Trio 1, 2, 3, 4, 5. Et les Jack Cycle qui sont en fait contemporains, c'est des albums qui se suivent. Et les Jack Cycle, c'est un album qui a été fait dans ces années-là, entre le volume 2 et le volume 3 de The Art of the Trio. C'est les périodes que je préfère de Brad. Ouais, mais attends, Coltrane, il a bossé comme peu de gens peuvent bosser. Il faut attention.
Tu vois, sur Netflix, d'ailleurs, allez voir, je crois qu'il y a tout, il y a encore il y a le documentaire sur John Coltrane, sur Miles Davis, sur Quincy Jones, et sur le hip-hop aussi. Là, j'ai vu qu'il y avait le documentaire sur le hip-hop, ça a l'air intéressant. Ben, des génies de la guitare, oui, t'as par exemple Django Reinhardt, on peut considérer que c'est un génie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un génie, si tu veux? Pour moi, Alan Holdsworth, c'est un génie. Pour un autre, pour ma mère, Alan Holdsworth, ça pue, quoi. Tu vois? Alors, on me le demande souvent, Guthrie Govan. Ah oui, il a dit, en fait, Platon était contre l'écriture. C'est intéressant à savoir, quand même. Donc, il était contre l'écriture parce que ça allait. En fait, pour lui, si tu veux, c'était le portable, le iPhone de l'époque. Il était contre l'écriture parce qu'il disait qu'en fait, ça allait soulager en fait le cerveau des gens et que les gens en fait allaient moins être développés au niveau cognitif parce qu'ils écriraient les choses. Et du coup, c'est vrai qu'il n'a pas tort dans un sens où en fait, par exemple, la musique qui s'écrit beaucoup en Occident, elle est très formatée, etc. Et elle est moins. Je trouve que l'apprentissage oral est plus efficace que l'apprentissage écrit d'une manière générale, si tu veux. Comme quand tu apprends à parler à tes enfants et tout. Quand tu vois en Inde qu'ils apprennent de façon orale, j'ai l'impression qu'il y a plus de vérité et compagnie. Enfin bon, après, ça, c'est un débat autre. Donc voilà, Platon disait que l'écriture, en fait, ça serait la perte de l'humanité, quoi. Et pour revenir au génie de la guitare, tu veux, voilà, moi, pour moi, ça, c'est subjectif, quoi. Comme je te dis. Pour moi, Alan Holdsworth, c'est un génie. Pour ma mère, ça vaut rien, quoi. Tu veux, voilà. Dans quelle mesure on peut dire que Rachmaninoff est un génie ou pas? J'en sais rien, tu vois. Moi, je kiffe Rachmaninoff. C'est pour ça que je vous dis ça. Je vous invite à l'écouter Concerto pour piano 1, 2, 3 et 4. Le concerto numéro 3 est un film sur lequel, est un morceau sur lequel ils ont fait un film qui s'appelle Shine, d'accord? C'est l'histoire de David Elgoff, c'est un pianiste qui a fait une rupture d'anévrisme en jouant le morceau tellement qu'il a bossé. Et pour Guthrie Govan. Voilà, Guthrie Govan, moi je trouve que c'est un super prof, je trouve que le mec est super cool, il se prend pas la tête, ça se voit, il est super compétent, c'est un super pédagogue, un super guitariste, y a pas photo, hyper polyvalent, etc. Après, l'esthétique musicale, honnêtement, j'ai écouté les albums, donc le premier Erotic Cake, je trouve que c'est impressionnant, si tu veux. Et après, musicalement, c'est pas. Voilà, je préfère écouter John Mayer, c'est bête, hein. Quand tu vois, par exemple, souvent je regarde des lives sur Instagram de John Mayer. Ah voilà, le Kissman, quoi, ce que j'appelle le Kissman, c'est le beau gosse. Voilà, en plus, il joue super bien, il chante super bien, il fait des super belles chansons. Voilà, et pourtant, tu vois, j'aime Alan Holdsworth, hein, c'est pas une question de technique, de nombre de notes dans les solos et tout, mais Guthrie Govan, bon, il m'impressionne. J'ai relevé quelques plans. Bref, ouais, Gainsbourg, ouais, je connais mal, on va dire. Ouais, Birelli, bon après voilà, moi je. Ça c'est encore une fois c'est subjectif là. On pourrait dire. Est-ce qu'on peut pas dire que Kurt Cobain est un génie, franchement. Tu vois? Est-ce que Kurt Cobain n'est pas un génie? Tu vois? Pour moi. Ouais, Bertrand, salut. Brassens, ouais, j'en ai déjà joué, ça m'est arrivé. Richie Kotzen, pour moi, c'est pas. J'adore, hein, mais c'est un super chanteur, super guitariste. Mais bon. Tu veux, pour moi, la notion de génie, elle a quand même quelque chose de singulier, si tu veux, tu vois. Pour moi, un génie, c'est quelqu'un qui sait faire que ce que lui, enfin, qui fait ce que lui seul est capable de faire. Voilà. Attends, John Corcoran. Mais oui, Kurt Cobain, voilà. Est-ce qu'on peut pas mettre. Voilà, si on parle de génie en disant un tel est un génie, pour moi, Kurt Cobain est beaucoup plus un génie que que d'autres, certains que vous citez là depuis tout à l'heure. Hein, voilà. Donc. Mais voilà, c'est ça, chaud patate. Ouais. En plus, t'as un super pseudo. Ouais, Guthrie Govan, ouais, très country, ouais. Ouais, voilà, par exemple, en fait, c'est quelqu'un aussi de très précoce, hein, voilà. Ben, tu vois, bizarrement, tu vois, ouais, mais je comprends qu'on n'aime pas Alan Holdsworth, mais moi, vraiment, c'est vraiment le seul guitariste qui m'a accompagné à fond.
Vraiment, parce que j'aime sa singularité aussi. Voilà. Scott Anderson, mais pareil, tu peux dire tous les bons guitaristes, alors ce sont tous des génies. Tu peux dire. Tu peux dire que tout le monde, si tu veux. Est-ce que, par exemple. Ouais, moi. Après, moi, Heavy Machinery, c'est pas trop mon kiff, moi. Ouais, Shostakovich. C'est les Russes que je préfère. Ouais, Antoine Boyer, j'adore ce qu'il fait. En plus, il a un super goût. Ouais. Mais je sais pas, si tu veux, parce que. Dans le génie, je trouve qu'il y a une question un peu de maudit aussi, si tu veux. Dans le sens où. Je pense qu'un grand génie, en fait, il est toujours mal vu à son époque, tu veux. Tu vois? Pour moi, c'est un peu ça. Genre, par exemple, quelque part, Justin Bieber, même si je le trouve très talentueux, et voilà, je le dis en. Hein, vous savez que j'aime le jazz rock, la fusion, le jazz, le classique et tout. Là, je connais pas. On m'en parle, Tommy Barra, j'ai un peu écouté, mais je connais pas beaucoup. Mais tu vois, tu peux pas. En fait, pour moi, je pense que le génie de son vivant, il n'est pas forcément reconnu, si tu veux. Voilà. Je pense qu'il est mal compris, quoique. Tu vas me dire que Kurt Cobain était vachement reconnu. Je sais pas, c'est très subjectif. Ça ferait un bon sujet de thèse de musicologie. Mais voilà, après, voilà, ça c'est subjectif à chacun, quoi.